Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de Yakuza Like a Dragon Infinite Wealth. On va faire beaucoup, je peux pas montrer la carte, mais on va faire beaucoup de quêtes secondaires dans cette vidéo. Je pense que ce sera que du secondaire. Vraiment des quêtes pas Animal Crossing, pas Pokémon. Enfin, on fera peut-être un peu de Pokémon vite fait par là, mais ce sera pas longtemps. Là, ça va vraiment être des sub-stories. On va débloquer de nouveaux jobs. Alors, on peut faire une promenade en tramway. La façon... Faisons une promenade en tramway, on va montrer la ville à Adachi. What the fuck? Hein? Allo Happy? Ah d'accord, c'est Allo Happy. Non? C'est quoi un Chon Mage? Chon Mage, je google. Wouah! Ok. Un Chon Mage. Le Chon Mage ou Chon Mage est une forme de coiffure japonaise traditionnelle portée par les... Ah, c'est Momonosuke dans One Piece, quoi. C'est genre la calvitie, mais avec la queue de cheval au bout, genre. Ah, ok. Cool. Attends, on va voir s'il n'y a pas d'autres jobs. Cool. Allo Happy Tower, j'ai pas assez d'intelligence pour faire ça. Ça, je peux. Shopping au Duty Free. La façon la plus habile de ramener des souvenirs de votre voyage et d'en offrir à vos amis. Dans ce centre commercial luxueux dont la propriété est garantie par des professionnels, vous pourrez faire des achats pendant des heures. Ok. Ça va être quoi, là? Homme de ménage, un truc comme ça? Femme de ménage? Bah, il est censé y avoir Adachi, mais vas-y. Ah, ça va être femme de ménage. Là, c'est pour chitosser, évidemment. Ok. Domestique. D'accord. Ok. Je suis pas hypé par le truc, j'avoue, mais... Vas-y. Donc ça, on peut pas. Ça, je peux. L'icône des saveurs des tropiques. Dégustation de noix de coco. Allo Happy dispose d'un accès exclusif à l'une des meilleures réserves de noix de coco d'Hawaï. Et vous êtes conviés. Regardez des noix de coco toutes fraîches à la taille d'un ballon de foot, être fendues et taillées devant vos yeux. Il ne vous restera plus qu'à déguster leur chair sucrée et à boire leur jus. Vas-y. Ah, y'a Adachi là. Yashinomi juice, omatase. Kanpai. Kanpai. Oh. Ok, Yagami. Gardien de but. Diving catch.
Ah, ballon de foot. Ah, footballeur. Ah, évidemment. Ça, c'est pour Adachi, ça. Défenseur, ok. Ça c'est pour Adachi, ça. Ok. Est-ce qu'on a un autre? On peut pas. Celui-là on peut, oui, on en a encore un autre. Ce n'est pas un simple jeu pour enfants. Esquiver les tirs et contre-attaquer, c'est comme si vous étiez un tireur mortel dans un western. Même les adultes adorent ce jeu palpitant où on peut finir arrosé à tout moment. Oh, trop bien. Je voulais justement cette classe. Je sais ce que c'est. Solid Snake. Trop bien! Ah, c'est trop bien! Desperado! Oh, on va la prendre de suite cette classe. Il y en a une dernière. Il n'y a que ça, mais il me faut de l'intelligence et je suis pas assez intelligent pour l'être. Donc, tant pis. Pardon, je casse tout. Alors, qu'allons-nous faire et à qui? Alors, Adachi. Détective, c'est très bien d'être détective, hein, mais bon, il est niveau 18, il va rien gagner de plus. Sabreur, ça peut être pas mal pour Adachi. Star de l'action, ça peut être pas mal aussi. Sabreur, c'est quoi les attaques? Inflige des dégâts à un ennemi, ses attaques augmentent si celui-ci est touché par l'anomalie. Saignement, ok. Applique les attributs de la la liberté, c'est de vivre comme si on était déjà mort. Putain, il y a des citations connues. À la fin de chaque attaque. Flèche rêveuse. Inflige des dégâts à un ennemi. Si vous réussissez l'action rapide, les dégâts augmentent grandement. Vandaido. Flèche brûlante. Saignement. Augmente votre attaque. Plein bambou brune. Ok. Ça me fait rire. Douche relaxante. Hydratez-vous, récupérez des PV et augmentez votre défense. Ok. Alors, est-ce que Shitose on la change? Parce que j'aime beaucoup le truc du tennis en vrai. J'aime vraiment beaucoup le machin tennis. Et j'aimerais bien débloquer l'attaque spéciale du tennis. Donc soit on garde Shitose as du tennis, soit on la met domestique, soit on augmente encore un peu héritière. Parfum désarmant. On va la mettre domestique pour l'instant. Oh, elle est bien celle-là. J'aime bien. Vas-y, on va la mettre domestique. Domestique, elle attaque avec du feu, de l'eau. Du feu et de l'eau, ok. Donc, Ichiban, on va le mettre. Putain, Sujim ancien, il faudrait que je l'augmente, le Sujim ancien aussi. Oh. On va bien évidemment le mettre Desperado. Ça, c'est mon Arthur Morgan dans Red Dead. Il ressemble exactement à ça. C'est pas le même chapeau, mais c'est la même chemise, c'est le même gilet. C'est mon Arthur Morgan. Donc, ok. Ichiban. Ichiban, il fait des attaques quoi? Empoisonné et. Oh, ok. Tomizawa. Bon, Tomizawa, il est plongeur, mais bon, c'est pas non plus. Voilà, on a fait très vite le tour. On va le mettre. Sabreur, je pense. Ou défenseur. Je pense que c'est Sabreur ou Star de l'action, ça peut être pas mal pour Tomizawa. On va essayer de Sabreur. Ok. Et Adachi, du coup, on va le mettre défenseur. J'aime pas la tenue, mais vas-y. Ok. Héritage d'aptitude, on peut pas. Tomizawa, bah. Pff.
Là, il a quoi? Il a un truc de feu. Et des... Il a que des pistolets et des couteaux. Et un truc de feu. Donc un point d'eau, ça peut être pas mal, ouais. Ça, ça peut être pas mal. Voilà. Chitose, elle est domestique. Elle a des trucs d'eau et de feu. Donc un truc électrique, ça peut être très bien. Ou un truc de vie. Un truc électrique. Tranchage du tonnerre. Ah oui, le type, bah voilà, elle va garder sa raquette. Vas-y, on va faire ça. Hop, tranchage du tonnerre. Et Ichiban, il peut avoir une nouvelle attaque en plus. Capture d'âme, c'est très important. Chute céleste, c'est pour une saisie, donc c'est cool. Brume envoûtante, on s'en fout. Lancer du dragon tournoyant, c'est quoi? Ouais. Ah oui, c'est pour le Nunchaku. Et pour avoir une attaque de pistolet. Mais du coup, là, j'ai plein d'attaques de pistolet. Donc, on s'en fout, en vrai, du lancer tournoyant. Donc, à la place, on va mettre... La batte du héros, le swing. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Hop. Et éventreur, nageur, délirant, non. Frappe du singe volant. Vas-y, on va mettre n'importe quoi, genre... Peut augmenter votre agilité, ça peut être pas mal ça. Vas-y, bon, j'ai mis ça un peu au pif. Ok, bon, on est prêt. Ok. Du coup, on va faire des quêtes secondaires. Notamment celle-ci. Donc ça, c'est le... Merde, on peut pas se téléporter. C'est la quête avec le gamin qui vend des citronnades. Si je me souviens bien, il veut... gagner assez d'argent pour acheter un cadeau pour quelqu'un qui doit quitter Hawaï et qui s'est beaucoup occupé de lui. Aloha, Shannon, je sais pas quitter, mais vas-y. Ah, monsieur Kasuga, bonjour. Eh, hey, gamin. Je devrais l'aider à faire la promotion de sa limonade. Et si je t'aidais à nouveau à distribuer des échantillons? Vraiment? Ce serait génial. Cool, viens, on essaye ça. Distribuer la limonade, ta cale est toujours froide, déplacer le bateau, heurter des gens, Ok. Tony vous a confié 6 verres cette fois-ci. Vous avez 2 minutes. Ok. Il fait si chaud. S'il y a quelque chose à boire. Oui. Voilà. Et de 1. Personne dit quelque chose ici? Non. Ok, on va passer par là. Toi, tu veux quelque chose? Ok, non, je veux pas. J'arrive pas. Ah putain, j'avais oublié que c'était dur de. Putain. Ouah, c'est trop dur. Ok, c'est bon. Putain, j'ai perdu 30 secondes. Bonjour. Allô. La limonade. Voilà. Qui est-ce qui a soif là? Bonjour, messieurs, dames. Qui est-ce qui a soif? Le type avec la foi n'a pas intérêt à venir me parler. Ok. Mince, encore raté. Ok. Toi peut-être. Il fait super chaud. Oui, j'ai failli le rater lui. Ok, ça fait 3. Le type avec la fraude n'a pas intérêt à venir me parler. De la limonade, vous avez 10 ans. Ok. Il fait super chaud, j'ai soif. Ok. Mais dégage aussi, mais qu'est-ce que tu dis que t'as. Mais dégage! Mais dégage! Mais nique. Ok. J'adore la limonade, personne n'en vend, bah si. Mais qu'est-ce qu'il fout lui? Oh. Mais regardez, mais qu'est-ce qu'il fout? Ils font des quêtes. Ok. Il me reste que. Mais putain, il me gêne. Ok. Ah, mais il y a un autre type, mais tout là-bas là. Je peux courir? Oui, je peux courir. Ok. J'ai 24 secondes. Si on propose encore à boire, je vais péter un câble. C'est pas elle. Rien ne vaut le jus de pomme. J'ai si soif. 13 secondes. Non, mais dégage! Dégage! Mais dégage! 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 Allô. Voilà. Oh mon dieu! Ah mais les gens sont cons, même dans les jeux vidéo!
Ah, monsieur Hello. Kasuga! Eh, j'ai fait de mon mieux, hein. T'as eu plus de clients? Oui, pas mal de gens m'ont dit qu'ils sont passés parce que l'échantillon leur a plu. J'en vois encore plus! J'allais manger ça en enquête, mais je n'ai pas eu le temps de prendre le pause. Vous voulez le prendre, monsieur Kasuga? Petite salade de fruits mélangée à la main. Une bol de salade de fruits pleine de nutriments qui restaure 400 PV à chaque membre du groupe. Wow. Merci. Monsieur Kasuga, vous êtes quelqu'un de bien, vous savez. Je ne sais pas comment vous remercier. Ne t'en fais pas. Je le fais parce que je le veux bien. Et nous sommes amis après tout, non? Tu peux compter sur moi. Oh, d'accord. Ouais, merci Kasuga. Je vais compter sur vous et vous pourrez compter sur moi. Super. Ok, bon. Ok. Alors, on a des quêtes au centre commercial, donc on va y aller. Ah, j'ai pas... J'ai pas été au... Ah oui. Ça craint du boudin. J'ai pas d'armes, et oui. Là, j'ai des armes de merde. Là encore, ça va, le balai brosse. L'épée longue fucasse, c'est pas mal. Y'a que Tomizawa qui a une bonne arme. Parce que là, le reste, ouais. Le Metsujimon qui fait des pompes, on sait pas pourquoi. On va pas lui parler, il me fait peur. Est-ce qu'il y a des boutiques d'armes ici? Alors, y'a celle-là. Boutique d'équipement de danse. Ah, je pense pas que ce soit là. Hein. Aloha! Attends, il y a quelqu'un à dire à loi. Voilà. Est-ce qu'en bas, il y aurait autre chose? Boutique de vêtements de sport, ça peut être très bien pour Adachi. Ok. Le vêtement de sport, ils ont sûrement des trucs de footballeur. Club de golf. Non, ils ont rien. Ok. Le club Sega. Aloha! Reef Rider, là ils ont peut-être des trucs. Ah non, c'est pour le surf ça. Ah quoi que. Ah oh! 140 000! Ah oui. Ouf. Ah ouais, ça. Ouais, d'accord. Bon, les armes de fin du jeu elles sont ici quoi. D'accord. Ok. Donc c'est pas ici qu'on en aura. Bon, bah tant pis, écoutez, on va essayer de survivre avec ce qu'on a. Aloha. Iloa, je connais pas. Pas facile de savoir combien j'ai dépensé tout est en dollars. Salut Roy. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, mon bébé! Hein? Oh! Oh bichette! Oh le bébé! Oh le bébé! Aidez-le! Oh oui, d'accord. Oh merde! Mais c'est pas bon ça! What the fuck? Ça c'est du Yakuza ça. Ça oui, ça c'est du Yakuza ça. Ça c'est du Yakuza. Elle est où la poussette? Elle est là-bas. Qu'elle a fait la poussette. Allez! Allez! Putain, elle avait pris beaucoup d'élan la poussette. Hein.
Oh merde, je suis tellement heureux de le revoir. Oh là là. Oh merde. Oh. Oh mon dieu. Oh, je suis désolé si le micro a explosé ou quoi, mais je m'attendais pas. Ah, c'est pour ça que la poussette elle a poussé, elle a sauté par-dessus la barrière. Nounou Lilian, c'est sûrement la femme qui vient de hurler après la poussette. Il s'est endormi, voilà. Oh merde. Oh, j'enlève mes lunettes parce qu'elles sont pleines de buée tellement je pleure de rire. Ok, oh putain. Oh. Wow. Ok. Wow, pistolet, boum boum boum. Ah oh, putain. La taillade de l'ombre. Ok Zoro. Ah ouais, il a une défense de fou, Adachi du coup. Oh, stylé ça. Oh mon dieu. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai mal. Oh mon dieu. Phew. Phew. Ah, mais que s'est-il passé? Debout là-dedans. Ouais. Désolé, je suis toujours un peu rincé après avoir bu mon lait. J'ai raté quelque chose? Vous voulez dire à part vos hommes qui m'ont pris pour un ravisseur? Qu'est-ce que vous avez dit? Mais vous êtes trop con, vous! Kasuga vient de me sauver les miches! Pardon, boss! Hein? Vous pouvez vous mettre vos excuses au cul! Décamper et trouver modulé! Un double! Boss! C'est vrai! C'est vraiment dur de trouver du lait frais dans le coin! Ah, vous servez à rien, les gars! Bon, ok, du lait concentré fera l'affaire! On en met sur les granités de ce truc, non? Allez me trouver ça plutôt! Tout de suite, chef! Eh, hey, le Vioque, t'es passé devant moi, devant tout le monde. Oh, désolé, c'est urgent. Oh, Orlando, c'est urgent, je dois acheter de la glace. Hein? Mais je le connais, lui. Eh, hey, qu'est-ce que vous faites là, Orlando? C'est le papy qui veut voir la neige pour sa femme. Oh, Kasuga, je peux vous expliquer. Ah, oh, le crossover. Ah, je comprends. Alors comme ça, votre femme est malade et voudrait voir de la neige.
Le docteur a dit que ce soir, qu'elle ne passerait peut-être pas la nuit. Je n'ai plus le temps de trouver d'autres solutions. Ah merde, j'avais dit que je vous aiderais, mais j'ai été tellement occupé. Ah! Ok, ok, du calme, Kasuga. Je suis tellement désolé. Oh, ce n'est rien. Ça me fait plaisir de savoir que ça vous tient tant à cœur. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais c'est beau! On dirait presque de la neige. C'est un composant de couche hydrophile. Il réagit sûrement à l'humidité du granité. Je me demande comment il a atterri là. Peut-être que quand vous avez tabassé mes morveux, ça a déchiré les recouches. Et c'est à ça que ça ressemble quand l'intérieur est mélangé à de l'eau? On dirait bien, ouais. Les couches sont composées de cette poudre cotonneuse pour absorber le liquide. Quand c'est mouillé, ça prend cette texture neigeuse. Oh, un instant. Neigeuse. Souga. Et on pourrait peut-être s'en servir? Je veux dire, c'est presque aussi bien que de la véritable neige, non? Oh, mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Ne vous en faites pas, ne faites pas de bile, ne vous faites pas de bile pour ça. Hein? Mes gars ont quitté le Japon avec une chiée de couches. On a un stock monstre. Une chiée? Un peu, mon neveu. Pour que le bébé ait un moral impec, rien que mieux d'avoir les miches au sec. Adam voulait s'assurer qu'on ait le nécessaire en cas de séjour prolongé. Ça paraît logique. Mais vous êtes sûr de ça? Ces couches sont importantes pour vous tous, non? Kasuga, si on joue les bébés, c'est pour retrouver la joie de cette période d'insouciance et d'absence d'obligation. Mais au bout du compte, nous savons tous que ce n'est pas sérieux. Nous sommes des hommes d'honneur, et nous respectons le rêve des mourants. Pas vrai, les gars? Oui, chef! Kondawara, au final, vous êtes bien un homme. Oh, Kasuga! Monsieur Kondawara, je ne sais pas quoi vous dire. Vous avez entendu le boss? Allez retrouver votre femme et laissez-nous nous charger de la neige. Faites-nous confiance, on va lui créer un rêve hivernal. Oh, merci beaucoup! Merci! Oh, c'est à la fois drôle, triste, émouvant, c'est trop bien. Je dois admettre, j'ai jamais su qu'on pensait de vous, Gondawara, mais une chose est sûre, vous avez gagné tout mon respect. Ouais, il faut avouer que déchirer une couche neuve est un sacrilège. Je ne l'aurais jamais envisagé dans d'autres circonstances. Mais étant donné que cet homme est prêt à ce que cet homme est prêt à faire pour sa femme, je ne peux pas me permettre d'agir en bébé. L'heure est venue de grandir. Pour le moment, en tout cas. Allez, les gars. On rentre à l'hôtel et on récupère nos couches de secours. Je les veux toutes. Oui, chef. Bon, Kasuga, on réside à l'hôtel près de Seaside Avenue. Retrouvez-nous là-bas. On va y aller de suite. Je veux de suite la suite de cette quête. Oh, c'était trop trop bien. C'était vraiment mais trop trop bien. Seaside Avenue, c'est où ça? C'est ça? Puisse la neige tomber. Là. C'est trop 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 bien comme quête. How's it, mon man? Merde, hey. Non. Hey, it's all good, but hey, just come back whenever you need me. Putain, il parle anglais, je me dis putain, c'est quoi cette langue? C'est pas du japonais ça? Oh, un Pokéstop. Hey, you! Hey, you! Ça ressemble au Japon. Ah, il y a une quête. Il y a une discussion là. だからちょこちょこ日本っぽい部分があるのか。ちなみに盆踊りもハワイにあるぜ。盆ダンスって言ってな。ダンスチームとかもあってかなり気合が入ってんだ。盆踊りにダンスチーム？マジか。わあ。俺らも出てみるか。チーム春日としててっぺん目指そうぜ。盆踊りのてっぺんってなんだよ。
Je vais me faire renverser. Attendez, je vais juste tabasser eux. Très bizarre dit comme ça, mais vas-y. C'est parce que c'est un boss de région, donc... Ah, je peux pas faire... Ah merde, on peut pas... Ok, d'accord. Oh merde. Je pensais qu'on pouvait... Je pensais qu'on pouvait faire un truc de... Ouais, bref, de annihilation, là, genre finir le combat en... Non, on peut pas. Et je peux même pas prendre le Pokéstop, le Pokémon, ok, tout ça pour ça. Une clé pour ouvrir, vas-y. Booster de santé, c'est cool. Un Toughness Z, c'est cool. Bon, la quête. Avant que sa femme meure. Oh, c'est triste. Par contre, j'espère qu'on va pas mourir, sa femme. Bonjour. Non. Ah, c'est toi. Bonjour. Elle veut des graines pour oiseaux. Oh, Gondawara, c'était... Mon Dieu. Mon Dieu. Je t'ai pas reconnu, Gondawara. Kasuga, on a les couches. Vous êtes prêts pour la neige ? C'est parti. Wouah, Gondawara s'est habillé. Oh, bébou. ただいま、エリー。具合はどうだい?今日はとっても愉快な人たちに会ったよ。春日さんって言ってね、日本から来たらしい。 外でしょぼくれてた私の話を笑わないで聞いてくれてね。しまいには力になるぜなんて言ってくれたんだ。なんだかそれだけで嬉しくてね。何の得もないのに、まっすぐそう言ってくれた彼が、なんだか物語の王子様みたいに見えたんだ。笑っちゃうよな。 全然そんな柄でもない中年の男なのにさ。わしは誰かの部屋、エリーの王子様になれたのかね。ずっと家にもいないで仕事ばかりして、寂しい思いをさせてしまった。ようやく時間ができたというのに。 今のわしは何もしてあげられない。王子とはほど遠いよね。ごめんよ。なんだか今日は暑いな。窓でも開けようか。あなたは 素敵な私の王子様ですよ。今も昔もずっとね。エリー。ありがとう。あなたがいない時間は確かに長かったのかもしれない。でもその時間もずっとあなたの優しさは感じていましたよ。 だって私のために頑張ってくれていたんでしょう。今日だってそう。私はあなたからたくさんの愛情をもらったわ。ヘリ。だからそんな顔しないで。綺麗。え? のありがとう、春日さん、組長さん、ゴンダーラ組出陣へ。
これはなかなかの重労働だが、やってやるぜ。親父、これおむつ足りますかね。あ、ほんでれ、足りなくなったら今お前が履いとるそのおむつを使うまでじゃ。すっぽぽんになっても最後までやりきるで。 本当に雪が見られるなんて、日本で二人で見たあの日を思い出すわ。本当に綺麗。オーランド、あなた魔法が使えたのね。知らなかったわ。もちろんだ。わしはエリーのためなら何だってできるさ。魔法使いにだってなれる。このくらい遊べしまえだよ。 だから、もっとしてほしいことはないか。何でも言ってくれ。お願いだから。でも、もう十分よ。こんな素敵な贈り物をもらって、私は世界一の幸せ者ね。ありがとう。十分なんて言わってくれ。わしはまだ。それじゃあ、 最後のお願い。な、なんだい。笑ってちょうだい。あなたの笑顔を見ながら眠りたいの。せっかく綺麗な雪なのに、王子様がそんな顔じゃ台無しだものね。だからお願い。ああ、そうだね。 その通りだ。ゆっくりお休み。わあ。ああ。 Putain, je pleure, mais non, mais c'est pas normal. Yuki, tokechatta na. Oh. Mais non, mais ils sont trop cons. Putain. 見せられたと思うぜ。せやな。ハワイの雪っちゅうのもおつなものやな。Putain, ils sont trop forts. Non, Ryoga Gotoku Studio sont trop forts. C'est un truc de furieux. Je pense que c'est... Évidemment. Je pense que c'est une de mes catanex préférées, tout jeu vidéo confondu. J'ai adoré. Du début à la fin, j'ai adoré. Je pensais pas que Gondawara allait se pointer, je pensais pas qu'il allait se passer tout ça. Et le truc de la poussette, je savais même pas que ça... Enfin, quand on a vu le truc de la poussette, je me suis dit, ah, c'est une nouvelle quête, quoi, c'est cool. Et en fait, non, c'est la suite de la neige. Et... Ah, c'est trop bien. Non, non, c'est trop bien. Non, vraiment. Ah, putain, ils te font rire 3 secondes après, ils te rendent triste. Ensuite, ils te font rire avec le point de vue sur le toit avec les mecs à poil parce qu'ils ont utilisé leur propre couche pour faire la neige. Non, c'est trop, ils sont trop trop forts. Non, franchement, bravo. C'était. Waouh! Mon dieu. Attendez, il faut un peu de temps là, un peu de temps pour digérer ce qu'on vient de voir là parce que c'était. Waouh! C'était quelque chose. C'était quelque chose. C'était quelque chose. On va en profiter pour aller là. Pour faire les boutiques rapidement. Attendez, est-ce que j'ai pris un bon screenshot de... Je regarde juste mes trucs là de... Oh putain. Attendez. Mes screenshots de la mission.
Oh non, mais je pleure encore. Putain, j'ai encore des larmes qui coulent, c'est terrible. J'ai trop 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 aimé. Attendez, je fais mon petit tweet là, mais waouh. Attendez, je fais un petit tweet. Je vais voir si tout s'est bien posté. Ouh, allez, on reprend du service. Hop. Club de golf, ok, la raquette. Ah, et ça, c'est pour Adachi, du coup. Ok, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ok, il y a ça peut-être pour acheter bracelet, balai brosse. Ok, bon, on va aller voir Julie. Oh là là, ah, c'était exceptionnel, c'était. Wow, c'était du grand, du très très grand Yakuza, ça. Alors, on est sans abri, non. Star de l'action, non. Desperado. Un Pokémon qui tire de. Un pistolet qui tire du feu, pourquoi pas. Enfin, en vrai. Il me faudrait le truc de pistolet comme ça là. Ok, défenseur, ça par contre on peut le faire. Bracelet électrique, ça c'est bien. Ça évidemment je peux pas. Hop. On est ensuite domestique. On peut faire le balai brosse sale. Ça empoisonne. Et on est sabreur. Ah, j'ai pas le katana de Kaido. Yaido. Ok. Mais j'ai quand même un bon katana, je crois. Ça va, il est pas si nul que ça, mon katana. Donc ça devrait aller. Il faudrait juste que je trouve un truc de pistolet. Boutique d'armes de luxe. Ça doit pas être là. Surfeur, no surf, no life. Boutique d'équipement. D'armement japonais, ça c'est pour le samouraï justement, je pense. Dompte vague. Boutique pour adultes, ça c'est le sex shop auquel on était allé. D'équipement ménager, ça c'est pour là, ok. D'armes à feu et autodéfense, ok, c'est là. Ah, Bullet Hell Armory. C'est quoi tous ces ananas? Une sorte d'étal de fruits. J'ai sûrement fait un montage, du coup j'étais en train de me diriger vers une boutique d'armes à feu pour acheter une meilleure arme à Kasuga. Donc voilà. C'est quoi tous ces ananas? Une sorte d'étal de fruits? Ou alors un garage? Tu te gourres sur toute la ligne, mon pote. L'activité principale ici, c'est la vente d'armes à feu.
Sérieux? Je pensais qu'ils vendaient des smoothies. Oh. Non, mais tu pourras probablement faire de bonnes affaires sous le manteau. J'ai entendu dire qu'ils avaient toutes sortes d'armes. Tu sais qu'au Japon, toutes les armes à feu sont beaucoup moins populaires qu'ici, mais ça vaut le coup de jeter un œil, non? Ah. Ouais, j'imagine que tu as raison. En tout cas, ça m'intrigue, mais tu crois qu'ils vendent aussi des ananas? Eh, il n'y a qu'une seule façon de savoir. Ok, bonjour. Ok. Wow. On peut avoir un lance-roquette? Je veux le lance-roquette, madame, bonjour. Aloha. Aloha. Oh, on peut pas acheter le lance-roquette. Alors, on peut acheter le revolver antique, ok. Donc le blanc bec. Alors celui-là, c'est le seul que je pourrais améliorer, donc on va l'acheter. Je peux acheter la masse tribale, le coup de poing de dents de requin. C'est pour quel job, ça? Ok, pourquoi pas. Thank you. Ok. Bon, bah, je refais un montage et on se retrouve quand j'ai fini d'améliorer tout ça. Ici. C'est pas du tout ici. Wow. Je fais de la merde. Bon, c'est au bout de la rue, mais on va se téléporter quand même. Irasshai. Goyobo wa? Hajimeru yo. Matasetta ne. Hop. Alors attendez, on va un peu. Voilà, on le met ça. Alors. Bon, j'aurai des trucs de dos plus tard. Donc, ok. Est-ce que du coup, si j'enlève. Soin du héros, c'est bien. Coupe-feu, ça peut être pas mal. Un truc électrique peut-être, parce que là il a un truc de feu du coup. Ok. En bas. Koreda na. Tarda.
うまく取れたぜ。 Non, c'est à l'étage, justement. Non. Radin, radin, mais ça va pas. Ok, du coup, on se retrouve pour la suite. Il y a une discussion ici. Adachi, sauveur des égarés. あらら、懐かれちまったのかい。離れると泣くもんだから、結局その子の家にまで行って、 晩飯食って帰ったんだった。なんか不思議な気分だったぜ。へえ、足立さんは結構子供に好かれやすいんだな。かもな。元気でいるといいな、あの子。よっしゃ！ミニョン。 Caractéristique unique, super avec les gamins. C'est vrai que je vois bien Adachi en papa, en vrai. Je sais pas pourquoi, mais... oui, elle veut venir, je crois, sur mon île, mais je suis pas assez, charismatique. Oula. Ah, ça c'est le mec qui fait du ukulélé, la star internationale là. Enfoiré, t'es vraiment moche. Oh, s'il vous plaît, arrêtez. Hein? Qu'est-ce qui se passe? On est juste des punks qui rêvent de voir leur groupe percer. Contrairement à toi, on se démène. Alors tu devrais pouvoir nous filer un peu d'argent de poche, non? T'as vendu ta fierté et ton âme pour devenir populaire. T'es plein aux as maintenant, pas vrai? Pas vrai? Monsieur Golem Gunwolf? Golem Gunwolf? Ne m'appelez plus comme ça. Je suis Matt Tropico maintenant. Je sais bien. Mais tu étais bien plus marrant quand tu te lâchais et que tu te... Et que tu jouais de la musique vraiment hardcore. Je te suggère un truc. Redeviens Golem Gunwolf et on te laissera tranquille pour aujourd'hui. Ça serait trop bien. Je refuse. Golem Gunwolf n'existe plus. Ah, vraiment. Dans ce cas, allonge la thune et va au diable, espèce de vendu. Mais d'où tu sors, toi? Je suis un de ses fans, et je serais vraiment déçu s'il se blessait et ne pouvait plus jouer du ukulélé. Et de mon point de vue, c'est vous qui êtes moche. Lâchez-lui la grappe et dégagez. Sérieux? Est-ce que tu sais quoi que ce soit au sujet de cet enfoiré, le Vioque? Il se fait plein de fric avec de la musique de merde. Il a peut-être de l'argent en trop à nous filer. Commençons par dépouiller ce vieux. Rien de personnel, crève. Putain, ça me fait trop bizarre qu'ils appellent Ichiban le vieux alors que bah... Il fait pas, en fait, il fait pas ses 40 ans passés, là. Alors, c'est vrai qu'on l'a toujours pas fait. Vierge de fer, ne laissez aucune trace. Passez la serpillière devant un ennemi en lui infligeant des dégâts rangiques ainsi qu'à ses alliés. Est-ce que ça... Ouh, vas-y. Pff, c'est un peu nul, hein. On va pas se mentir. Injection de sédatif. Ok. Faiseur de pancake. Quoi? D'accord. Vous avez retenu la leçon? Ne venez plus nous emmerder avec vos conneries. Et merde! Incroyable. Eh, vous allez bien? Oui, merci. On dirait que vous m'avez encore aidé. Je ne suis jamais présenté, pareil. Je m'appelle Matt Tropico. Vous pouvez m'appeler Matthew. Moi, c'est Kasuga. Est-ce que des types de ce genre viennent souvent vous emmerder? Et ces gamins vous ont aussi donné des noms bizarres?
Ah, vous les avez entendus? Ouin, je dois admettre que j'ai eu une vie mouvementée. Je pense que c'est oui, virgule, et pas ouin. Mais bon. Je crois que c'est ce qu'on appelle la rançon de la gloire. Mais elle n'est pas tendre. Et si nous allions ailleurs? Ce n'est pas le meilleur endroit pour parler. Après tout ce qui s'est passé, on pourrait aller prendre un verre. En guise de remerciement pour votre aide, je vous offre un verre. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Eh bien, il m'a invité, je ferai mieux de le suivre. Easy. Hi. Super, venez. Je connais un bon verre, un bon bar. Eh bien, à notre rencontre, santé. Santé. Kanpai. Nah. Alors, vous faites toujours des concerts dans des centres commerciaux et dans la rue? Avant, oui, je le faisais souvent. Mais depuis que j'ai rejoint un label, je n'en ai plus vraiment l'opportunité. Le dernier concert que j'ai fait dans ce genre d'endroit était pour la promotion spéciale de mon nouvel album. Oh. Ah, vraiment? Alors j'ai eu de la chance de pouvoir y assister, il n'y a pas à dire. Les artistes pros sont incroyables. C'était une chouette chanson, et tout le monde l'a adoré. Vous êtes incroyable. Ah, ça fait plaisir à entendre. Vraiment, je vous suis reconnaissant. Si seulement j'avais commencé par là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les deux gars qui m'ont sauté dessus et les gamins qui se moquaient étaient des vestiges de mon passé. De votre passé? Vous avez fait autre chose que de la musique? Non, j'ai toujours été musicien. J'ai simplement changé de registre musical. Avant... J'étais un pionnier du White Rock. Nanda? Du White Rock? C'est quoi? Une sorte de rock'n'roll? Hi. Plus ou moins. Vous ne connaissez probablement pas parce que, eh bien, c'est un style que j'ai inventé. C'est quand on rentre en communion avec la nature et qu'on exprime les cris de son âme, sauvage et enragé à mesure qu'on le ressent. Je comprends pas, mais ça a l'air bien différent de ce que vous faites maintenant. Pourquoi vous avez soudainement changé de style? Et ça se fait de poser ce genre de questions? C'est pas de problème, vous êtes mon ange gardien après tout. Toutefois, l'histoire n'est pas si intéressante que ça. Il y a encore quelques années de ça, j'avais un style plutôt punk. J'étais guitariste et je me faisais appeler Golem Gunwolf. D'accord. Mais je n'ai jamais eu de succès. Je ne pouvais pas louer la salle de concert et je faisais des tas de prestations sauvages en ville. Ma carrière ne décollait pas. À l'époque, le White Rock était toute ma vie. Alors je m'époumonais en criant tout ce que je ressentais. Les émotions que je mettais dans ma musique étaient laides. Pour entrer en communion avec la terre, lors de mes prestations, je m'accrochais des patates autour du cou et où j'arrachais de l'herbe avant de la manger, entre autres choses. Oh. Ouais, c'est dégoûtant. Alors c'est pour ça que les gamins vous appellent le type aux patates? Vous avez fait pas mal de choses. Enfin, avec le temps, tout ça peut faire de bons souvenirs. C'est mon sombre passé, un passé que je voudrais effacer. Ah, à ce point, hein. Kasuga, j'ai toujours voulu faire de la musique qui toucherait les foules et leur donnerait du courage. J'exprimais de nombreuses émotions avec le White Rock. Je voulais donner le courage d'affronter la vie. Je voulais donner le courage d'affronter la vie et permettre de surmonter les souffrances. Je me donnais à fond. Mais si personne ne l'écoute, est-ce que c'est vraiment de la musique? J'ai réalisé que si la musique n'atteignait personne, alors elle n'avait aucun sens. Aucun sens. C'est à ce moment-là que la pop au ukulélé a commencé à avoir du succès. Je me suis alors dit que c'était le genre idéal pour créer ma musique et la faire entendre. Je me suis décidé. J'ai vendu ma guitare à un prêteur sur gage et j'ai acheté mon ukulélé. Je comprends mieux. Hi. Et puis, je maîtrisais la guitare, ce qui m'a aidé à apprendre le ukulélé. Ensuite, je ne sais pas encore comment, mais j'ai commencé à percer en tant que chanteur pop et j'ai fini par gagner ma notoriété actuelle. Par contre, une fois célèbre, les gens de mon passé ont recommencé à me solliciter. Voilà qui explique les gars de tout à l'heure et les moqueries des gamins. Même après tout ce temps, ça retourne le couteau dans la plaie. Voilà pourquoi j'estime avoir un sombre passé. Ça n'a rien d'agréable. Ouais, j'imagine.
Tout ce que j'espère, c'est qu'avec le temps, ce moi du passé qui faisait du White Rock sera oublié de tous. Ok, John Marston. Il n'y a que la musique qui touche les gens qui comptent. Oui, il n'y a que la musique qui touche les gens qui comptent. J'ai fini par le comprendre avec le temps et je suis satisfait de ce que je fais aujourd'hui. Oh, pardonnez-moi, j'ai un peu cassé l'ambiance. J'imagine que j'ai un peu trop bu. Merci d'être venu avec moi. À la base, je voulais vous remercier, mais au final, j'ai raconté ma vie. Y a pas de mal. J'en ai beaucoup appris sur la musique aujourd'hui. En tout cas, j'aime votre musique et vous devriez continuer comme ça. Je suis à fond derrière vous. Merci beaucoup. Remettons ça à l'occasion et cette fois, vous me raconterez votre vie. On fait comme ça. Il a dit que ce qui compte, c'est de toucher les gens. Eh bien, c'est peut-être vrai, mais j'ai des doutes. Kesuga n'est pas d'accord. Ok, ça me surprend. Pourquoi pas. Aloha. Ah, c'est Iloa, encore. Elle est partout, Iloa. Alors, est-ce que il y a une suite quelque part? Oui. On va voir le musicien. On va aller voir le musicien. Par là, ce serait le plus rapide. Je suis con en fait. De là où j'étais le plus proche. Bon, c'est pas grave. On va faire un peu de. Ah, il y a une discussion là. Parfait. Le trou dans le cœur d'Adachi. Attendez. Faut juste que. Voilà, comme ça. Cabine téléphonique. Où ça? Ah oui. Ces cartes téléphoniques rares ont été gâchées. Moi j'ai la même déception mais avec les cartes Pokémon. Une autre discussion. Shito sait s'il connaît en miel là. Un bingo en plus, parfait. Cool. On peut pas y aller évidemment. C'est grâce à ces deux derniers vins que je suis ici. Je peux bien me faire plaisir, non? Oui, bah oui, j'ai rien dit. Bonjour. Aloha. On va vous acheter 10 cookies. Thank you. Au revoir. Yeah. Hey, Kasuga. On va dire que c'est un jour. Hello. Après. Ah, bah c'est Matthews. On se croise souvent en ce moment. Vous allez me donner un concert? Non, pas aujourd'hui. J'ai rendez-vous avec une société d'événementiel. Oh. Ah oui? Okay. Oui, cette fois, c'est un concert en solo sur la plage qui est prévu. Si vous avez le temps, vous devriez passer. Oh, vraiment? Ça promet d'être bien. Yeah. Hein? Excusez-moi, vous êtes Golem Gunwolf, n'est-ce pas? Est-ce que c'est encore un gamin qui va se moquer de lui avec des insultes sur la patate? Je vais bien faire attention aujourd'hui et... J'ai toujours été fan de vous! De Golem! Hein? J'écoutais toujours vos prestations sur le parking! Oh, vraiment? J'adorerais entendre de nouveau du White Rock, monsieur Golem! Désolé, mais je... c'est difficile à dire, mais je ne joue plus ce genre de musique. Quoi? Je suis à présent Matt Tropico.
Golem Gunwolf n'existe plus. Mathieu. Oh, d'accord. Pardon pour en avoir parlé. Le gamin tout à l'heure avait l'air vraiment triste. J'irai lui parler si je le revois. Ben non, on va aller lui parler maintenant. Il est où ? Ah, il faut s'éloigner, j'imagine. Il réapparaîtra. Grand hôtel, gros portefeuille. Ah. Putain, j'avoue qu'il est gros. いつか大金持ちになって水道ウームに泊まるんで。そうかい。じゃあ石油を目指して、せいぜい頑張ってくださいな。石油王ってどうすればなれるの？それは、掘るんじゃね？考えうる限りで最もありがたい。掘るのは深いのにな。おい、この空気どうすんだ、カズマ。 Drôle. Ferraille. Ok. Alors, le gamin, il est pas réapparu, hein. Ah si, oh si. Ouah, il est loin. Attendez, on va juste faire la discussion sur le pont là-bas. On va juste faire la discussion sur le pont. Et alors. Il y a un restaurant. Bon, on va y manger. Aloha. Est-ce que j'ai une discussion? Aloha Kakayaka. Est-ce qu'il y a du Kakayaka par là? Aloha Kakayaka, non. Voilà, on va prendre ça et ça. Non, pas de discussion. Ok. Oh. Bénédiction. Oh, une valise. Bon, attendez, il y a des méchants qui arrivent, donc on va... On va les annihiler. Ok, Chitose et la photo. ここ景色。あね、みんなで写真撮らない？お、別にいいけど。ちーちゃんは写真好きだな。まあ、そうだね。なんかさ、みんなと一緒に撮りたいなって。写真ならあとから何回でも見返せるでしょ？いろいろ大変だけど。 みんなといられるの楽しいから、それを閉じ込めておきたいんだ。そっか。俺もちーちゃんやトミーたちといるのは好きだぜ。じゃあ、変顔でも決めてみっか。いいね。やろうやろう。ありがとうね。仲良し。 On va faire une photo. Double bingo en plus. On est niveau 30. Cool. Attends, t'es trop Mais dégagez-vous là. Mais il fait quoi lui? Une photo déjantée, ils ont dit. On fait une drôle de tête, voilà. C'est bon, t'es contente? Aloha! C'est pas à toi que je parlais, connard. Bonjour, Meg. Pardon, j'ai dit connard. Il fallait pas dire connard. Y a plein de quêtes là. Wow, y a tellement de trucs à faire. J'ai l'impression que ça baisse pas le nombre de trucs à faire. Et là, oh là, il y a trois quêtes rien qu'ici. Oh là là, terrible. Bon, on va les faire, on va les faire une par une, parce que si on les commence toutes,
on va se perdre dans les histoires. Alors. Aloha. Oh bah, je voulais des noix de coco, moi. Madame suspect est tombée du palmier. Ah, c'est trop drôle. Niveau 25, oh là. Wow. Mais ça va pas. Il est zinzin, là. Ok, coupe feu. Formation pistolet. Ok, alors je savais pas que les ennemis pouvaient tomber de... Je savais pas qu'il y avait des gens qui pouvaient tomber de là-haut. Là, pour le coup, je savais vraiment pas. Je voulais juste des noix de coco, en fait. Genre comme là, là. Voilà, là, j'ai des noix de coco. Ah, c'est le gamin avec sa maman, là, je crois. Attends, mais il y a eux qui vont m'attaquer, je crois. C'est bon, ça devrait aller. Maman, cette histoire d'opération ne me plaît pas. Et je veux pas quitter la ville. Mmh. Oh. Et puis ça doit faire mal. Je risque peut-être même d'en mourir. Tout ça, ça fait peur. Mais c'est le gamin du fan du Wild Rock de Matt. Mais c'est ce qui est... C'est ce qui est pour le mieux, Pete. Si tu ne le fais, tu ne te fais pas opérer, ton état te fera qu'empirer. Tu veux pas aller mieux? Eh bien, si, mais... Maman, retourne à la voiture, je te rejoins. Je veux rester encore un peu ici et prendre l'air. Bon, je comprends. Je vais aller chercher des médicaments. Je te laisse les clés de la voiture au cas où. Ok. J'ai peur. Je veux pas mourir. Oh non, c'est comme l'histoire dans Yakuza 7 avec la gamine au kaki. Putain, il y a beaucoup de gamins qui... Toi, ta gueule, toi. Il y a beaucoup de gamins qui menacent de mourir. Là. Mais ta gueule! Il m'énerve. Bon. Quoi, vas-y, appelle-moi encore trou du cul. Vas-y, allez. Vas-y, appelle-moi trou du cul. Ah, c'est un boss, en plus. Alors. Tu crois vraiment que parce que t'es un boss... Regarde la tempête de bulles que tu vas te prendre dans la gueule. Voilà. Il m'a appelé asshole trop de fois là. Poignard immobilisant. Hey asshole! Oh, d'où il a essayé d'où esquiver là? Ah. L'assaut sauvage. On l'a jamais fait ça. Archer? Stylé. Voilà, parfait. C'est bon, on va pouvoir parler entre adultes. Enfin, entre enfants. Enfin, ouais. Oula. Oh. Eh, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Oh, mais vous êtes qui?
Désolé de venir te parler comme ça, je m'appelle Kasuga. J'ai entendu ta conversation et ça a piqué ma curiosité. Moi, c'est Pete. Mais dites, vous n'êtes pas le monsieur qui était avec Monsieur Golem tout à l'heure? Monsieur Golem? Ah, l'ancien nom de Matthews. Oui, t'as bonne mémoire. Merci. Alors, tu es malade? J'ai toujours eu la santé fragile. Je passe mon temps à l'hôpital depuis ma naissance. Mais mon corps ne tient plus cette fois. Je dois me faire hospitaliser au Texas pour une grosse opération. Mais j'ai peur et j'arrive pas à trouver le courage. Alors que je sais ce que je dois faire. Je vois. Une grosse opération pour un si petit corps, ça va sûrement être dur pour lui, mais je comprends qu'il ait peur. Est-ce que je peux lui remonter le moral? Wow. Qu'est-ce qui se passe? Pardon, c'est mon alarme. Je dois prendre mon médicament tout de suite. Putain, j'ai eu trop peur. Au moins, il prend son médicament, c'est bien. C'est pas bon. C'est une alarme vachement violente. Est-ce que c'est... Oui, c'est un morceau de Monsieur Golem. Je l'adore. Comme je suis tout le temps malade, je ne peux pas trop sortir de chez moi. Golem jouait souvent ce morceau sur le terrain vague à côté de chez nous, alors je l'écoutais. Je suis sûr que les voisins ne devaient pas apprécier. Ma mère était furieuse. Elle trouvait ça trop bruyant, mais moi, ça me plaisait. Si on écoute bien les paroles, on entend qu'il parle beaucoup de joie et de sa passion pour la vie. Ça me donne beaucoup de courage. Je l'écoute toujours avant d'aller à l'hôpital. Ah ouais? Il a dit qu'il ne ferait plus de wild rock et je soutiens le genre de musique qu'il... fait en ce moment. Mais j'aimerais assister à une dernière prestation live de Golem avant d'aller me faire opérer. Golem tient une place importante dans ton cœur. Hein. Oui, c'est mon héros. Il m'a toujours donné de l'énergie. Matthew disait que le wild rock était un passé sombre, qu'il ne donnait de courage à personne. Mais il se trompait tout ce temps. Pete, qu'est-ce que tu fais? Je trouvais que tu mettais du temps à revenir à la voiture, et je m'inquiétais. Enfin, rentre vite à la maison. Oui, d'accord. Je dois y aller, au revoir. Matthew, je me demande où il est en ce moment. On va faire la suite, hein. Écoutez, on est en bon chemin, donc voilà. On enchaîne. Il y a juste des discussions autour, donc on va aller les faire. Eh, beauté, on va s'amuser. Attends, quoi, c'est quoi la discussion, là? Wow, tu me fais trop peur. Eh, beauté, on va s'amuser. Non merci, je devrais y réfléchir. Ok d'accord, tu vas ça l'endroit. Wow. Oh. Quoi? Non. Non. Mais non, je pouvais pas fuir à cause de... Bon. Il m'a fait tomber le monsieur brûlé là. Mais putain. Aloha. Voilà. Bonjour, et là on discute. いつ見てもすごいな。炎の5本使ってお手玉みたいにしてたよ。一歩間違えたら死にそうなパフォーマンスだな。ちいちゃんはなんかこういう芸とかできたりしないのか。さすがにこんなすごいのはないけど。あ、私剣玉ならよく分かんねえけど剣玉の技って結構遠出するんだな。ああ、そう言われると確かに月面にも着陸するしね。宇宙まで行くのか剣玉。うん、よっしゃ。オッケー、ドゥブルビンゴ。また距離が縮まったな。 Des graines pour oiseaux. Oh, il y a quelqu'un là.
Ah, nomade Hong Kong. Merde, 300$, ça te va? Vas-y, on va faire Hong Kong. Je veux le trophée platine. Pfiou, je suis essoufflé. Tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a de à récupérer dans ce parc? Une photo. Merde, je voulais pas faire cette photo. J'arrive pas à ranger l'appareil photo, voilà. Une grenade au bord de la fontaine. Tout à main normal. Oh le toutou! Elle a disparu, c'est à la qui je devais dire bonjour. Oh il est trop mignon le chouchou. Oh il est mignon le toutou, on le prend en photo. Mon chien ne supporte pas bien la chaleur, alors on s'arrête toujours ici pendant nos balades. Cette fontaine nous rafraîchit tous les deux. C'est très important de faire ça, ouais. Quoi? Ah ça. Bouquet d'hibiscus. Oh, ah oui, non, ça. Trois clés. J'en ai sept, vas-y. Maraca durian, ok. Malédiction. Bonjour, allô. Oh, Sadi, est-ce que tu es paralysé par la faim? Oh là là. Mis à part la nourriture pour chien qu'on lui donne à la maison, elle n'aime que les fruits et les légumes bio. Que faire? De la nourriture. Bah, tiens des notes, Coco. Oh, ça ne vous dérange pas? C'est Sadi qui va être contente. Waf, 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 waf. On dirait que ça lui convient. Il faut croire que j'ai fait le bon choix. Cool. Encore une photo à prendre. Shark Teeth Souvenir. Aloha. Aloha. Aloha blonde, c'est quoi? Boisson qui restaure des PM. Oh. On va tout prendre. 1000$ là pour ça, c'est quoi? Ok. Assortiment de chocolat pour 1000$. Bonjour. Ok, aloha. Malcolm. Bonjour Malcolm. Ok, une discussion là-bas. La faiblesse d'Adachi. N'aime pas l'humidité. Eh ben on est deux. On est deux, mon grand. Herbe suprême. Treasure Select Pound. Ah, il y a Matt. Alors attendez, on va juste en profiter pour vendre des objets. Notamment. Autre. J'ai pas des assiettes. Voilà. Bon, 20 centimes, 5 euros et 100 euros. Enfin, dollars plutôt. Thank you. Okay. Et du coup, Yamat. Yo. Elle est chambée cette guitare. Je n'aimerais pas la prendre sur la tête. Ça doit faire mal. Oh, Kasuga. Quelle coïncidence de te trouver ici. Vous allez acheter une guitare après le ukulélé? Non, je compte continuer à jouer du ukulélé. Je ne veux pas reprendre cette guitare. Reprendre cette guitare? Average Ear, c'est la guitare que j'utilisais à l'époque du White Rock. Celle que vous avez mise en gage pour acheter le ukulélé? On dirait que vous y allez à fond. Mais apparemment, personne n'en veut. Oui, on dirait.
Eh bien, elle ne m'a pas coûté grand-chose à la base, et je l'ai personnalisée comme un fou. Elle n'a donc pas une grande valeur marchande. Je vois. Mathieu ? À propos de l'époque où vous jouiez du wall rock, vous disiez vouloir effacer cette époque de l'histoire, car votre musique ne touchait personne. Eh bien, en fait, si. Vous ne l'avez simplement probablement pas réalisé. Vous ne l'avez juste pas réalisé, quoi. Enfin, ouais. Comment ça ? Est-ce que vous vous souvenez du garçon à lunettes qui est venu vous parler l'autre jour ? Je l'ai croisé en ville après. Apparemment, il était tout le temps malade et il ne quittait presque jamais sa maison. Mais quand il vous entendait chanter du wild rock près de chez lui, ça lui remontait le moral. Je suis sûr que c'est comme ça qu'il est devenu l'un de vos fans. Oh, vraiment ? Mais putain, j'ai pas eu le temps de lire. Mais il va quitter la ville pour se faire opérer et voilà, bon, j'ai pas eu le temps de tout lire sur le retour. Écoutez, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire, mais il aimerait bien vous entendre une dernière fois avant de se faire opérer. Le macho qui faisait du wild rock, je pense qu'il était plutôt cool, lui aussi. Même si les gens se moquent de lui ou lui disent qu'il est naze, quelqu'un qui remonte le moral d'un gamin est un héros pour moi. J'espère qu'un jour vous serez un artiste fier de l'intégralité de sa carrière, parce que vous êtes un musicien exceptionnel. Haha, vous êtes vraiment un type bien, Kasuga. J'ai quelque chose de prévu, donc je dois y aller. Mais si vous voulez, vous pourriez venir à mon prochain concert avec ce gamin. Je ne sais pas si je pourrais répondre à vos attentes, mais je promets de me donner à fond. Ah. Ok. On peut l'acheter, la guitare ? Ah bah, elle a disparu. Ah ok, c'était juste pour la quête annexe. Ok. Et du coup, là, il est où maintenant ? Il est sur la plage, j'imagine ? Ouais, il est là. Il y a une quête, il y a une discussion juste à côté. Bon, on va la faire aussi. Hein. Alors, juste à côté, là, il y a une discussion. Des souvenirs d'Adachi.今は普通に家族旅行とかで行く感じだけど。ハワイが憧れの地みたいなのは、もうおっさんの発想なのかもな。そんだけどこにでも手軽に行ける時代になったってことだ。つっても、俺はあんなきっかけがなけりゃ来ることもなかったかも。まあ理由はどうあれハワイにいるのは事実だ。満喫するぞ。そうだ、土産屋でペナント買おうぜ。それこそおっさんの発想だろ。 Ok. Alors lui c'est mon chauffeur Uber Eats et il veut venir à Dodoko Island. Ah, comment est-ce que je pourrais y arriver ? Bonjour Charlie, c'est rare de te voir aussi perturbé, tout va bien ? Oh, Ichiban, mon pote, ouais, j'essaye d'imaginer une nouvelle figure, mais je suis aussi bloqué le... Je suis aussi bloqué que le numéro de mon ex. T'en fais pas, ça viendra. Si tu veux changer un peu d'air, je travaille dans un coin sympa en ce moment, Dodoko Island. Ça te parle ? Une île ? Mec, ça a l'air trop stylé ! Je suis sûr que je pourrais faire des trucs de dingue sans flic pour m'arrêter. Vas-y, je prends mon vélo et j'y vais direct. Ça marche. Enfin... Je sais pas si tu pourrais y aller en vélo, mais... Ouais, enfin, c'est cool. Merci. Ok. On va pouvoir l'inviter sur l'île, ça c'est cool. Alors, où est le concert ? Dans ça qu'il y a des... Ouais. Où est le concert ? Oh, il y a le petit garçon. Hello. Hey, salut Pete. Ah, monsieur Kasuga, vous êtes venu ici pour voir Golem ? Enfin, je veux dire, vous êtes là pour le concert de Matt Tropico ? Plus ou moins. Je me disais justement que je t'inviterais bien. M'inviter ? Non. Bah oui, je me suis dit que si tu devais bientôt quitter la ville, alors il fallait que tu te fasses un maximum de bons souvenirs. Il a peut-être changé de style, mais je suis certain qu'il veut toujours autant remonter le moral des autres.
Je me dis qu'il serait top que sa musique t'aide. Comme ça, tu pourras affronter tes peurs avec courage. Putain, mais qu'est-ce qui branle mon voisin? Je suis désolé, mais il y a mon voisin qui fait des bruits de fou, là. Frère, c'est minuit, tu tapes ton mur avec ton poing, là, Nictaras. Bref. Oui, vous avez raison, merci. À vrai dire, je n'étais pas sûr d'y aller. Après tout, techniquement parlant, le golem que j'aimais n'existe plus. Mais ça peut être marrant d'assister au concert avec vous. On a encore un peu de temps avant le début, mais on pourrait déjà aller sur le lieu du concert. Bah oui, allons-y. Super! Oui, ok. Il y a du monde, hein. Matt Tropico a vraiment beaucoup de succès. Ah, et voilà notre homme en personne. Bonjour tout le monde, bienvenue et merci d'être venu aujourd'hui. J'espère qu'on va tous passer un bon moment ensemble, jusqu'au bout de la nuit. Voici ma première chanson. À la recherche de Vénus. C'est vrai que ça change de la sonnerie de téléphone. Ce concert déchire, la musique pop a vraiment le vent en poupe. おめは楽しくないのか。うん、楽しいよ。いい曲ばっかりだったし。でもやっぱり。それじゃあ最後の曲になります。今日は僕のコンサートに来てくれて本当にありがと。最後の曲はずっと僕を応援してくれていて。 今一番必要としている人へ送る。ワイルドロックだ。え、何？どういうこと？ライブの鳥？そんなことある？てか誰？橋君は？ コーレマさん。手術にビビって泣きべそかいている情けないガキがこの町にいると聞いてよ。俺様の歌でケツをぶったたいてやろうと思って駆けつけてやったんだ。 Ce n'est pas que le look, sa personnalité et sa façon de parler changent vraiment. Ah, il a acheté. Tout le monde est en mode what the fuck? What the fuck is happening? Saiko. Ah, ii concerto. Ya. Yase no utage datta na. Boku mo shinde mo ii. Sore wa maji de kanpen shite kure. あ、あの、とても感動しました。僕、ずっとファンで。今日は本当にありがとうございました。お、治療は頑張れそうか？はい。手術頑張ります。本当はまだちょっと怖いけど。
ゴーレムさんの歌を思い出して絶対に直してきます。またライブにも来たいし。はっ、当たり前だ。こんなところでくたばってたらただじゃおかねえぞ。もっと俺様の曲を聴いてもらわねえとな。はい、よかったな。ガスガさん、俺様は自分が恥ずかしい。そりゃこの格好のことじゃねえ。かつての音楽にも感動してくれる人がいたのに、それに気づかず勝手に黒歴史と言って封印してしまったことだ。多くの人に届けられる音楽はもちろん素晴らしい。だが本当の価値というのは人の数ではない。一人でも感動させられるのなら、勇気を与えられるなら、それだけで音楽は素晴らしいものだ。ようやくそれに気づくことができた。礼を言うぜ。マッシュトロピコとしても、ゴーレムガンウルフとしても、みんなに音楽を届けられる俺様は本当に幸せだ。今はどちらも大切な自分だと胸を張れるぞ。これはその礼だ。受け取ってくれ。T-shirt ゴーレム signé。 OK。 あんたがそう考えられるようになったなら何よりだ。遠回りだったかもしれねえが、無駄なことなんてなかったな。どっちの姿もかっこいいよ。頑張れゴーレムガンウルフ。まだまだぶちかますな。うん、第一の叫びを聞け。ポテト天国、イエーイ。これは売れないかもな。C'était trop cool. C'était très très cool comme quête annexe. Un peu longue, qu'il te fallait aux quatre coins de la ville, mais c'était très très cool. C'était vraiment très très cool. On a que des bonnes quêtes annexes là dans cette vidéo, c'est super cool. Oula. Oh, mais j'ai apparu devant des ennemis là, vas-y. Un boss en plus. Ah oui, d'accord, un boss. Bon. Oh, c'est un clown. Ah non, c'est pas un clown. Peloton d'exécution. Ok. Faiseur de pancake. Ah, on peut pas faire ça, cette attaque sur eux. Okay. Vendiaido. Oh, c'est Shishi Sonson. C'est l'attaque de Zoro dans One Piece. Lui saigne. Ensuite, on a quoi? Ne laisser aucune trace. Ah oui, c'est là. Ok, c'est cette attaque-là. Je la trouve très nulle, cette attaque. Y a quoi d'autre comme attaque? Ok, bah c'est tout. Injection de sédatif, je sais pas si je l'ai fait. Ouais, si, on l'a fait. Ok. Ah, d'accord, c'est une attaque tranquillisante. Oh, mais y a des ennemis qui sont apparus là, non? Ils étaient pas là eux tout à l'heure. Lui dort. Ok. Et balayez-le. Boum. Nuée empoisonnée. Ok. Aspire argent. Fente d'ombre. Harponnage illégal. Ok. Ah, oh yes, je peux le capturer. Vas-y, on va essayer de le capturer lui. Super cadeau Sujin, super Pokéball. Merde, j'ai totalement foiré. Oh, j'ai réussi à être en bleu alors que j'ai raté.
Ah, ça marche. Cool. Cool. Niveau 10. Cool, cool, cool. Alors, il y a une nouvelle quête annexe ici, ok. Et si on finissait déjà celle que j'ai en cours ? C'est, attendez, c'est quoi ? Il faut les bronzer. Oh, la flemme. On va finir celle-là, là. Je sais pas ce que c'est. Il y a une quête annexe juste en dessous du centre commercial. Je sais pas ce que ça peut être, vu qu'on a fini la quête du... Le centre commercial, on a fini la quête du chanteur, du ukulélé, là. Et la quête de l'émission de télé. C'est les deux seules choses qu'on avait à faire dans le centre commercial. Donc je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ah si ! C'est Zach ! Oui, c'est la meuf qui nous a volé tout notre argent, qui nous a drogué, etc. Et en fait, elle a un gamin, et du coup, elle a... Oh, ah oui, ah, je me souviens, j'avais pas aimé ça. Le fait qu'ils ont dit, ouais, ben, rends-toi à la police. Pendant ce temps, ben, Zach va s'occuper de ton gosse. J'ai pas trop aimé ça, mais... Ok, on va voir comment ça va finir. Eh, c'est Zach, non ? Et Kyle, le fils de Marianne. Yo. Alors, vous jouez ensemble ? Oh, Kasuga ! Oui, Marianne m'a demandé de le surveiller pendant qu'elle s'occupe de quelque chose. Je sais plus quelle voix j'avais fait, mais... Il est mignon, non ? On s'occupe de quelque chose, hein. Oh, vous êtes le monsieur de la dernière fois ! Bonjour ! Eh, content de te revoir. On n'imaginerait pas que lui et sa mère traversent. Il a juste l'air d'un gamin normal heureux. Oh, c'est vrai, vous connaissez déjà. Oui, vous êtes un ami avec ma maman. Ah. Putain, j'ai trop l'habitude de faire la voix de Matt Tropico, du coup j'ai envie de faire cet accent tout le temps. Vous savez où Marianne est allée d'ailleurs ? Non. Elle a dit qu'elle reviendrait avant la nuit. Elle voulait que je joue avec lui au parc en attendant. Au parc ? Est-ce qu'elle voulait que le petit ne soit pas chez lui ? Désolé, je viens de me rappeler que j'avais un truc à faire. J'y vais. Kyle, sois gentil avec Zach, ok ? Ouais. Oula. Maman, elle a plein d'amis. Tu ferais mieux de te secouer pour devenir le meilleur, Zach. Hein ? Qu'est-ce que tu racontes, Kyle ? Hé, je rigole. Hé, attends. Je vais tout faire pour que ce sourire ne s'efface pas de cette bouille. Je vais aller faire un tour chez Marianne et m'assurer que tout va bien. Attendez, juste une petite sauvegarde, 2 secondes. Un tour chez Marianne, du coup, elle habite par là, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Derrière le gun shop. On va aller s'y téléporter. Elle est là. C'est Marianne. Est-ce qu'elle est en train de parler à un flic ? J'ai pas l'impression qu'elle est en train de se rendre. Est-ce qu'elle lui donne de l'argent ? Beau boulot. On a de plus en plus de touristes en ce moment. Tu pourras rapporter plus la prochaine fois, je parie. Danny, il n'y aura pas de prochaine fois. Je n'en peux plus. Pardon ? Je ne supporte pas de faire du mal aux autres pour survivre. Je veux une vie meilleure. Et ça sort d'où, ça ? Je compte aller me rendre. Je passerai du temps en prison et... Elle est bien bonne, celle-là. Est-ce qu'un joli cœur t'a demandé de dire ça ? Tu comprends que dalle, pas vrai ? Tu passes du temps en prison, rien ne change. Hey, tu vas sortir et ce sera encore plus dur en tant qu'ancienne criminelle. C'est moi la main qui te nourrit, petite. Toi et le gamin. Vous seriez morts de faim si je ne vous avais pas montré de la pitié. C'était pas de la charité, je te paie pour ça. Exactement. Et ce sera toujours comme ça. Si tu décides d'abandonner, je te coffrerai moi-même. Et bien sûr, si ça arrive, tu n'en reverras jamais ton gamin. Très bien. Je préfère ça plutôt qu'il apprenne ton existence. Je vais me rendre à la police de ce pas et tout leur raconter. Tout. On sera tous les deux fichus. Oh, c'est un mauvais plan. Je n'ai pas envie de faire ça. Oh 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 oh. Entre un policier et une prostituée, c'est ta parole contre la mienne. Allez, tu savais que les flics étaient des héros ?
Error. Qui croirait un traître mot de ce que tu dis? Moi, je la crois. Où? Hein? Cette histoire m'a toujours paru louche. Hawaï punit la prostitution sévèrement, c'est bien connu. Je me demandais donc comment Marianne avait pu faire ça aussi longtemps. Elle est douée, mais presque personne ne l'est assez pour se cacher si longtemps. À part si un malade tire les ficelles. Mais t'es qui, toi? Lâchez votre arme. Et ne vous approchez plus jamais de Marianne. Kasuga! Alors, tu t'es trouvé un ange gardien, hein? Comme c'est mignon. Personne ne bronchera en ville si deux parasites disparaissent. C'est l'heure de faire le ménage. À l'attaque, alors. Ah, c'est bien parce que moi aussi j'ai une arme. On va faire comme s'il n'y avait pas Adachi, etc. On va faire un 1v1, un vrai 1v1. Donc eux, ils vont se mettre en parade. Tu veux faire un combat de pistolet? Allez, vas-y. Bang, bang, bang. Bon, il est censé attaquer Ichiban, mais vas-y. Combat de pistolet? Nuée empoisonnée. Oh, il a tiré sur la bouteille. Trop stylé. Poignard immobilisant. Il est paralysé, il est empoisonné. Il est tout là. Bon, je pense qu'on peut le finir en vrai. Tomizawa qui a esquivé en mode. Moi aussi je sais tirer. Hein. Bon voilà, Tomizawa. Pff, l'épée dans le cul. Pendant qu'il dort. Grrr, bordel. Vous avez dit que personne ne croirait jamais Marianne, hein. Ce qu'elle a fait n'était pas glorieux, mais vous savez. Si quelqu'un a fait un mauvais choix, mais regrette ce qu'elle fait et veut vraiment se racheter, je ferai tout pour l'aider. Elle ne mérite plus d'être crue qu'une pourriture de ripoux qui menace la femme qu'il a mise sur le trottoir pour son propre gain. Il n'y a pas que Marianne qui va devoir se racheter. Et ça, vous allez devoir le comprendre. Compris ? Et qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Au sol, maintenant ? Non, écoutez ! Cet homme m'a sauvé de cet homme. Hein? Je lui donnais de l'argent pour qu'il me laisse continuer à me prostituer et à mener mes arnaques. Mais quand je lui ai dit que je voulais arrêter et me rendre, il m'a menacé de son arme. Cet homme est intervenu. Pourquoi j'ai fait cet accent? Je sais pas. Je suis perdu là. C'est vrai, Danny? Incroyable. On va devoir prendre ta déposition au commissariat. Et la vôtre aussi. Bien, monsieur. Oh, elle met en menottes. Eh, à ce sujet, est-ce que vous pourriez attendre une minute? Elle ne fuira pas. C'est pour lui laisser le temps de parler à sa famille. Dépêchez-vous alors. Ah, oh, il est gentil. Elle a un tout petit sourire à la fin, c'était mignon. Kasuga-san, anna hidoi koto o shita no ni tasukete kurete hontou ni arigatou gozaimashita. Kore, orei no kimochi desu.
本当はお金で返せたらよかったんだけど。C'est pas mal, c'est mieux que tout ce que j'avais. Oh, waouh! Bah, c'est parfait. Je vais te faire un peu de temps. あなたとしばらく会えなくなってしまうの。それまではこのザックお兄さんのお家でいい子にして待っていてね。わがままなママでごめんね。ううん、ママ今までずっと僕のために頑張ってくれていたんだよね。本当にありがとう。僕なら大丈夫。ザックと一緒にママのことずっと待ってるから。だからママはママのやりたいことしてきてよ。カイル、ごめんね。ありがとう。ママ、必ず帰ってくるからね。ママが帰ってくるまでにいっぱい頑張ってかっこよくなって驚かせてやろうな。うん、ザックもね。だってザックも頑張ったら僕のパパになれるかもしれないでしょ。うん、カイル何を言い出すんだ。別に僕はそんなんじゃ。待ってくれている人がいるってのは幸せなことなんだぜ。しっかり償って早く帰ってこいよ、マリア。Ça. En fait, j'ai un peu de mal. Elle est mignonne la quête, hein, mais j'ai un peu de mal avec le côté. Bon, bah, il faut qu'elle aille en toll. Pour... Après, peut-être qu'elle va pas aller en toll. Hein, peut-être qu'elle va juste se rendre et qu'on va lui mettre une amende. Mais elle sait qu'elle a mal agi, elle sait qu'elle a fait du mal, etc. Et bah, juste aller en toll, ça va juste lui faire perdre du temps. Pour moi, en fait, moi, mon avis sur la prison, en très gros, hein, c'est pas un truc en mode oui, t'as fait du mal, même si tu sais, bah, tu dois y aller. Genre, la prison, c'est fait pour protéger la société, genre, je sais pas comment te dire. Genre, pour protéger la société, du coup, à quoi ça sert qu'elle aille en prison ? Là, ça va juste lui faire perdre du temps. Genre, elle a ouvert les yeux, elle a compris qu'elle avait fait du mal. Elle a tué personne, elle a juste volé de l'argent à des gens, quoi. Enfin, elle a, je pense qu'elle a assez souffert pour tout ça. Lui, il a faim. Et ouais, je sais pas, je trouve ça un peu con qu'elle abandonne tout, qu'elle abandonne entre guillemets son fils pour ça, enfin, pour aller en tôle du coup. Je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Est-ce que... Alors, on va essayer d'aller voir le mec... la dernière quête qu'on doit faire. C'est-à-dire le mec qui nous a attaqué au tout début du jeu. Vous savez, le mec qui fait des combats de rue. Et qui m'a pris pour son rival. Alors, c'est pas là. Je me trompe d'endroit, déjà. C'est pas là. Je sais pas si je suis assez haut niveau. Je sais pas si c'est une quête qu'il faut faire à la fin du jeu ou pas. Donc, on va y aller maintenant. Putain, nique-toi. Oh! On peut fuir. Sayonara. Cool. On peut fuir. Ok. Il y a un resto pas loin ou pas? Non, il y a pas. Ah, si... Ouais. Oh! Catastrophe. インターネットが消滅したっぽくてよ。この世の終わりか？俺のスマホからどうにも繋がらなくなっちまってよ。さっきまで使えてたんだが、たまに電波がやたらと悪いところあるよな。急に繋がらなくなると世界から見放された気分になるぜ。大丈夫だよ。俺らがいるだろう。そんな時こそ仲間。ああ、復活した。よかった。今。一番が何かいいこと言いかけてたみたいだが。え？
Il y a un arc-en-ciel là-bas! Venez vous mettre devant l'arc-en-ciel! Vite! Il est en train de disparaître! Non, il disparaît! Trop tard. Attendez, il y a des gens qui font des spectacles. C'est une quête? Merde. Hein? C'est quoi cette foule? J'ai pas vu s'il y avait une quête. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh! What the fuck? C'est le mec de Yakuza 7 de l'université. Ah, c'est l'université, j'avais pas compris. Ah, c'est l'université, d'accord. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Jouer avec le feu, ok. Mon ami Hikaru veillait sûrement à l'école professionnelle. Il veut bien faire, mais il peut parfois être un peu étrange. C'est le mec qui fait le franchement, c'est un des moments les plus drôles de tout Yakuza quand il se présente la première fois. Et qui le mec demande excuse me, how to get to the station? Enfin, il demande comment aller à la gare. Et Ichiban ne sait pas comment répondre. Du coup, il dit un truc genre don't worry. Et lui, il arrive, il fait ton anglais est vraiment nul. Moi, j'ai dépensé pas mal dans des diplômes, alors je parle parfaitement anglais. Go straight, hand, turn right. Go, 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 go. Believe yourself. Oh, thank you. C'est vraiment extrêmement drôle. Il s'engage à fond. Il a plus de 100 certificats, 100 diplômes, et ça le démoraliserait de ne pas réussir à trouver de boulot. Ah bah excuse-nous. Ah, t'as un taf? C'est cool. どこに就職したんだ。それはここさ。ここって大海原ライセンススクール？ああ、あの後もなかなか僕の価値を理解できる先見の明がある企業が現れなくてね。こんな優秀な人材を放っておくなんてもったいない。ということで大海原資格学校が僕を雇ってくれたってわけさ。 Ils sont pleins de compassion dans cette école. まあ、僕は今や資格を200以上持っているからね。僕以上にこの学校の職員に適した人材もそうそういないでしょう。確かにそう言われればそうかもしれねえな。で、ここの校舎に勤務することになったと。ああ、もともとは偉人町の校舎で働いていたんだけど。 Il parle de nous.
T'as un diplôme en divination. Je pensais qu'il faisait référence au fait que bah, Ichiban aussi est... a eu droit à des moments privilégiés avec cette fille, du coup. Et que lui, il ne savait pas, mais je pensais qu'il l'avait appris.実は精一杯の思いを伝えたつもりだし、絶対成功すると思っていたんだけど、こっぴどく振られてね。なかなか顔も合わせづらくなってしまってさ、このままずるずる引きずるのもいけないと思って、一年放棄して海外赴任を申し出たんだ。フェスオフィス?恋愛は理屈じゃないし、暗記でもない。どんな資格よりも難しいものだね。 どこかに好きな人と絶対に両思いになれる恋愛検定があるのなら僕は喜んで受けるだろう。はいはい。で、ここで働いてるのは分かったけど、なんでさっき踊ってたんだおめえ。ああ、あれも仕事だよ。宣伝イベントってやつさ。僕はこう見えてもファイヤーダンサーとしてのライセンスも取得しているからね。OK。 ライセンスを仕事にも生かす。どうだい？資格が校職員の鏡だろ。ああ、そこに関しては本当にすげえよ。ちょうど今、入学金免除キャンペーン中でね、生徒集めに力を入れまくっているんだよ。そうだ、春日君。君、また入学しない？え、また？ ああ、どうせ君のことだ。頭スカスカだから、以前取得した資格は詰め込んだ知識も全部失っていることでしょう。本当に失礼なやつだな。まあ、当たってるけど。よ、なら話は早い。また一から始めるのがいいさ。こっちの学校は偉人町とは違って、ハワイにちなんだライセンスもたくさんある。ハワイ生活も役に立つし、楽しいと思うよ。 どう興味あるだろう。ねえ、まあ、よし、じゃあ全部張りアップだ。入った入った。 OK, est-ce que ça va être encore des quiz des QCM? Time is money, money is power. OK. ここが大海原ライセンススクールか。なかなかなかなか立派な建物だな。ふん、そうだろう。優秀な僕には最適の職場さ。ようこそ大海原ライセンススクールへ。入学のご希望ですか。ん、こんにちは。<笑><笑> まさか今度はこの子に恋は。恋はノンストップ。もう僕を止められる人はいないよ。また一方的にアピールばっかしてると振られちまうぞ。同じ失敗を繰り返さない。それが僕、イカリという男さ。君も知っているだろう。就活で100回くらい落ちてた男がよく言うぜ。 受付の前田ローラと申します。どうぞこちらへ。ああ、姉ちゃん、いいよ、吐いたろうが。さっさと行け、行きなさい。ローラちゃん待たせるんじゃないよ。うるせえな。ただいまキャンペーン中でして、入学金は無料となっています。うん、春日一番だ。手続き頼むよ。ローラちゃん、僕が、この僕が関与したんですよ。君のために。うん、ほうゆ、ほうエヴァ。 ありがとうございます、イカリさん。どうもいたしまして。うん、イカリからどっか行けよ。イカリから説明があったかもしれませんが、本校はライセンススクールとなっています。ライセンスを取得すること自体も大切ですが、
取得を目指す中で自分を磨き人間性を高めるという春日さんをさらに成長させる場を提供できるようサポートしてまいりますのでよろしくお願いしますね。Blablabla, bon, c'est pour améliorer personnalité, blablabla. Bla bla. Ok. Ici, Laura. Omega Laura, tu te yobes là. Nare, nare, si. À recommencer parce qu'on a, on a dragué ça. Enfin, on a dragué sans faire exprès. Non, c'est sa, sa, sa pote là qui nous a offert un moment intime, justement. Nous on a rien, nous on a rien voulu. Ichiban, il a juste, il est en mode, ah. D'accord. 今はお試しキャンペーン中でして、入学金だけでなくライセンス試験も一度この機会にいかがでしょう。実際に一度やってみるのがシステムの理解にも最適かと思いますし。へえ、試験の挑戦も無料でできるのか。ならダメ元で一度。やってみてもいいかなじゃない。ローラちゃんが進めてんだから問答無用だ。さっさと受けろ受けろ。死ぬ気だな。おめえ本当にどっかに行けよ。それでは準備ができたら私にお声掛けください。Tant qu'à faire, je devrais aller parler à madame, mademoiselle Maeda. OK. お試しで試験を一度受けてみましょう。ご準備はよ。OK だ。Mon, dans mon let's play, le truc de culture générale, là, c'était vraiment top 10, de, top 5, top 3 de mes vidéos préférées de ma chaîne YouTube. Ah, c'était tellement drôle. Cet examen vise à certifier que vous possédez les connaissances nécessaires vis-à-vis d'Hawaï, en tant que destination touristique prisée. Découvrez sa riche culture et ses magnifiques paysages pour mieux les apprécier. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est bien des quiz comme dans le 7. Mais c'est sur Hawaï. La fleur blanche visible sur l'image est une vision récurrente à Hawaï, où l'on s'en sert pour décorer ses cheveux. C'est un hibiscus. Jusqu'au milieu du XXe siècle, quelle plante était cultivée dans les vastes champs et s'attendant surtout à Hawaï, voire image, pour la préparation d'un alcool local? Betterave, sorgho, canne à sucre? Parmi les images suivantes, laquelle représente le plat hawaïen, le porc à l'oie? Oh, je m'en souviens, c'est celui-là. Merci, la quête annexe avec le cuisinier. Quel célèbre dessert d'Hawaï est un beignet frit recouvert de sucre? Masalada, masadala, malasada, malasada ou masalada? Malasada, madalasa, masalada, masalada, malasada, non, masalada. Un ukulélé est l'instrument parfait pour la joyeuse musique hawaïenne. Mais que veut dire son nom? Oh. Puce sauteuse, cheveux dans le vent, filet virevoltant, ukulélé. Puce sauteuse. Ah, je saurais pas dire. Cheveux dans le vent ou filet virevoltant. Cheveux dans le vent, je pense. Je sais pas. Alors? Oh merde. Jeez, what a shame. Ah. Ah. Ça commence bien. Franchement, j'étais sûr de toutes mes réponses à part la dernière. Super. Alors, ah oui, d'accord, c'est pas un hibiscus, c'est pas un hibiscus ça. Ah putain. Non, d'accord. Je peux même pas expliquer pourquoi j'ai eu faux. Mais je comprends pourquoi j'ai eu faux. En fait, j'ai même pas regardé l'image. Genre, j'ai vu la fleur blanche visible sur l'image. Et du coup, pour moi, c'était forcément... J'ai juste vu hibiscus en bas, puis j'ai vu tournesol. Et je me suis dit, non, mais c'est l'hibiscus, quoi. Ok. Canne à sucre, ça, c'était logique. Ça, je m'en souviens grâce à la quête annexe. Un malasada. Putain, je me suis trompé. C'était un malasada. Mal à Saddam Hussein. Mal à Saddam Hussein. Il faudra que je m'en souvienne. Oui, c'est ça. Puce sauteuse. Ah, c'était absolument pas ce que je pensais. Ok. Putain! Yappari, pas de mes jambes. Nakanaka, musukashina.
やはりそうだと思ったよ。僕だったら一発合格間違いなしだったけどね。そうかんとと。この資格は諦めたら？ぶっつけ本番ですから仕方ないですよ。今回挑戦された検定は今後も無料で受けたりしますので、資格はとにかく何度もトライすることが大事です。そうだね。ありがとうよ。ローラちゃん、熱いこと言う。というわけだ。何度でも挑戦したまえ。諦めるなんて言語道断だ。君ならきっとできるよ、春日君。はいはい。しかし、次はどの試験を受けるかとか、いろいろ迷うな。そうですね。迷うこともあるかと思います。ぜひ私に相談していただければ。いやいやいやいやいやいやいや、ローラちゃんのお手を煩わせるわけには参りません。Il veut plus. Il veut plus qu'on s'approche de ses crushs. Une autre école. Étudier n'est pas mon fort et Ikari est lourd, mais ça me permet de travailler sur moi, autant en profiter. Bon, on a échoué. C'est quoi dans Yakuza 7? On a tout réussi d'un coup. Ah, il y a une photo à prendre. Wow, l'aigle. Wow, il y a des photos stylées à prendre. C'est bon, je peux aller lui parler sans que tu... Bon, il se tourne vers moi et tout. T'inquiète. Il me surveille de près. Hein. Alors, on va passer un examen. Ah, ça y est, il y a tout là. Ah, et tout est gratuit du coup là. Il me faut un truc qui augmente mon intelligence. Espace. Oh, c'est trop bien. Mathématiques. Maître des Sujimon. Ah ouais. Histoire de Sega. Étude de la pègre. Ah, c'est comme... Ah, c'est les questions sur Yakuza, ça. Ok. Connaissance horticole. Des fruits et légumes. Ok. Site célèbre du monde. Ok. Expertise en alcool. Vie marine. Compétences sportives. Culture générale. Ok. Là, j'ai un truc qui m'augmente mon intelligence. Ça. Plus 30. Plus 120. Mathématiques. Oh putain. Non, pas maintenant. J'ai pas envie de... J'ai de très mauvais souvenirs de Yakuza 7 et des mathématiques, du quiz de mathématiques dans Yakuza 7. Je vous avoue que le refaire des mathématiques là maintenant, ce serait pas ce serait pas le meilleur truc à faire. Attendez. Ok. Bon. Non, je pense qu'on va plutôt faire ça. Mais ça donne que 30. Ça qui me... Après là c'est gratuit. Normalement c'est gratuit. Attendez. Si je vais sur mathématiques. Bon, normalement c'est gratuit. Frais d'examen 500$. Ah non. Ah non, il n'y a que lui que je peux repasser gratuitement. D'accord, le reste, ça me coûte 500 balles. D'accord. Venez, on dépense 500 balles pour faire le truc de maths. Ah, merde. Bon, allez. Oh, ça va être ridicule. Quelle est la réponse à la question suivante? 1 plus 2 plus 3 plus 4. 10 plus ça fait 20. 30. Quoi? Attends, 10. Non, moins 10. Putain, c'est un moins 10. 9, 10, 45. Moins 10, 35. Quelle est la réponse à la question suivante? 196 divisé par 14. 12. Non.
Mais non, c'est pas... Non, 14 fois 14. 4 fois 4, 16. 8, je retiens plus 1, ça fait 9. Donc 4, ça finit par 96. Et j'ai une retenue, ça fait 1. 14. Donc 4, j'ai dit quoi ? 14 fois 14. Donc j'ai fait ça. Donc c'est 14. Je crois. Je sais pas. Oh, parmi les figures suivantes, laquelle peut former un cube ? Bah ça. Bon, ça c'est niveau CP, ça. Ok. Parmi les expansions suivantes, laquelle donne un résultat différent des autres ? Quoi ? Un peu, 5. 1, 5 x 3, 15. Ok. 12,3 plus 3,7. Ça fait 13, 14, 15, 16. Bah, c'est ça. J'ai pas calculé le dernier, mais c'est pas grave. D'après leur affiché, combien de minutes faudra-t-il pour qu'elle indique 9h30? Là, il est 8h35. Donc, il faut 55 minutes? Non? Oui, si 50. Non, 55 ou. Oui, si 55. Bon, pas 5 déjà. Y a pas un piège à la con comme le moins 10? Non, 35 c'est pas possible, 25 c'est pas possible. 5 minutes. Non. 55, ok. Ok, ça va. Ah là là, cool, niveau 5 en plus. Cool, cool, cool. Ok, bon, ça, d'accord. Mais ça va. Il y avait que celle-là qui était un peu dure, mais en vrai, c'est super facile. Pour le coup, je me souviens de celle de Yakuza 7, c'était beaucoup plus dur. Hein. Il y avait des fractions, des trucs comme ça. Donc, ok. Et on va refaire l'examen que j'ai échoué là, qui est gratuit du coup. Voilà, il est gratuit. Je vais pas me faire avoir, le frangipanier. Puce sauteuse. Masalada. Non, c'était quoi déjà ma phrase ? Mal à Saddam Hussein, voilà. Parmi les images suivantes, laquelle représente un lay ? Ah, c'est le truc que la meuf avait autour du cou, là, dans la quête sur la gentillesse. Comment s'appelle le geste hawaïen de... Un coup de fil ? Peace ? Non, peace, c'est avec deux doigts. Coup de fil ou chaka, je pense que ça va être chaka. Je sais pas du tout. Ok. Ok, c'est cool. Frangipanier. Ok, c'était juste. Et ça s'appelle le chaka. Commencez par serrer le poing, puis lever le pouce et le petit doigt. Et vous avez un chaka. Ok. Eh ben, c'était cool. On fera la suite plus tard. J'ai pas assez d'argent là, je vous l'avoue. On va se téléporter ici pour. Non, pas ici. Ici. Pour débloquer un nouveau job. Parce qu'il me fallait pour débloquer le dernier job, il me semble de l'intelligence. Ah non, c'est pas l'intelligence qu'il me fallait. Si, je sais plus. Il y a un truc qui me fallait de l'intelligence niveau 5, mais je sais plus lequel. Intelligence, ouais, c'était lui. Let's go. On va faire du yoga. Adachi qui fait du yoga, ok. さすがに無理でしょ。
Oh, ninja! Stylé! Ah ça, on va lui mettre de suite. Je vous avoue que... À la prochaine! Ok, et normalement, là, j'ai tous les métiers, normalement. Bonjour. Oh là, du coup, ça y est, on a tous les jobs pour les meufs. Bon, bah pour même les mecs, mais... Oh, c'est trop stylé. C'est stylé. Kunai ailé. Jutsu des mille piqûres. Déluge d'étoiles. Entaille illusoire. Disparaissez dans un nuage de fumée et donnez votre tour à un allié. Oh, c'est trop bien ça. Dispersion de fleurs. C'est trop stylé. Oh, elle a l'air trop cool. On va la mettre Kunoichi. Et on va changer ses aptitudes. Du coup là, elle a des attaques comment? Elle a pas d'attaque... Ok, je sais pas encore quel truc elle fait. La hanche, parce que c'est du recul. C'est un saisi. Non, c'est pas du saisi. Ok, je pensais que c'était un truc de saisi. Ok. Elle a pas des attaques de saisi? Ah si, là, l'épaulement. Voilà ça. Ok. Ok, bah c'est cool. Est-ce que ça sert à quelque chose qui reste... Attendez, hop. Niveau 10, ah, il va gagner de nouveaux pouvoirs. Ok, on va le laisser. Lui, est-ce que ça sert à quelque chose? Rang 10, et au niveau 12, il débloque. Augmente votre attaque et vos chances de coups critiques ainsi que celles des alliés. Bon. Inflige des dégâts et applique les attributs de l'arme. Peut infliger l'anomalie saignement si l'action rapide est réussie. Ok. Bon. Pour l'instant, on va les laisser comme ça. Ok, bah écoutez. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que là, il est quelle heure? 23h29? Ouais, si je continue, je vais pas m'arrêter avant... avant longtemps. On va faire un mismatch. Allez, on va juste aller faire un mismatch. On va montrer à Adachi qu'on peut aller sur des applis de rencontre. Ah putain, quel jeu de fou. Ah oui, l'enfant star, elle peut pas venir. Ah si, peut-être que maintenant elle peut venir sur mon île. Et si tu viens à Dondoku Island, c'est un endroit super pour se détendre après le boulot. Oh, voilà qui semble intéressant. Je dois avouer que je suis assez fatigué, je vais sûrement y aller alors. Je m'appelle Mayako, mais on m'appelle aussi Mayako la sœur douée, même si ça me gêne un peu. J'ai hâte d'aller à Dondoku Island. Ok. Ok. Alors, on va manger avant. Ah, j'ai une discussion avec... Non, pas ça. Non, pas ça. Ça. Ça et un café. Aloha Kakayaka. Il y a une discussion. Let's go. Itadakimasu. Itadakimasu. French toast ni kona coffee. Soして そりゃこういう機会でもないと食わねえよ。いつもは卵かけご飯にわかめの味噌汁とかだぜ。私はそれも十分いい朝ごはんだと思うけどな。うん。まあ大好物だしな。卵かけご飯。毎日食ってても飽きねえし。このフレンチトーストがハワイの人にとってのそれなのかね。かもね。
足立さんは朝は何食べてるの？やっぱり牛乳にあんパン。それ結局牛乳にあんパンじゃないの？おいおい、俺の話聞いてたか？食パンにあんこ塗って。 本当だ。まあ厳密には色々違うんだろうが、結果的に張り込み戦闘みたいなもん食ってんな。刑事時代の習性がこんなところに出てくるとは。リゴロ。Merci pour le repas. Thank you. Mismatch. Allons draguer. いらっしゃい. Utiliser l'appli. Ah oui, j'avais fait un truc funny. Funny, il me semble. Est-ce que je peux... Ok. On se fait quoi maintenant comme profil? Gentleman? On va se faire un truc gentleman. Je suis entrepreneur. Non, je suis mannequin. Je suppose que je me décrirai comme un mâle alpha. Unique. Sérieux. J'aime assez cuisiner. Non, faire du sport. Mais par ailleurs, j'adore aussi lire. Ça me fait plaisir de pouvoir bavarder un peu. Mon partenaire idéal serait quelqu'un avec qui je pourrais discuter de l'actualité. Dans un monde parfait, tu chercherais tout comme moi quelqu'un de sérieux. Idéalement, je veux un compagnon qui soit également mon meilleur ami. J'espère qu'on pourra vite se rencontrer et désinstaller cette application. Je dois avouer que l'intimité physique est indispensable. Je peux toujours trouver du temps à organiser quelque chose. J'ai pour principe de ne pas juger trop rapidement, je parlerai à n'importe qui. On va dire relation sérieuse. J'espère que nous trouverons l'occasion de poursuivre cette conversation. Passez une excellente journée. Donc je suis mannequin, sérieux, je fais du sport, je lis. Ok. Je suis mannequin. Match trouvé. Naomi! J'étudie à l'université, je cherche une relation sérieuse, pas juste une amourette. Je suis attiré par une personne honnête. Plus tard, j'aimerais trouver un emploi dans la fonction publique. Mon plus grand hobby, c'est la lecture, comme moi. Taux de compatibilité 100%, waouh. Rin-chan, on l'a jamais vue, elle. Et Marie non plus, ok. Naomi non plus, il me semble. Mes amis me disent qu'il m'arrive d'être trop sérieuse. Je veux me lâcher un peu, alors j'espère que vous pourrez m'aider sur ce plan. Elle essaie d'éviter les activités nocturnes, les jeux d'argent, etc. D'accord. Moi, c'est Rin-chan, je suis mannequin, comme moi. Je suis pas trop branché à l'application de rencontre, mais mes amis me bassinent avec ça. On me dit bonne cuisinière. Je déteste les blagues salaces et les simplets. Oh, j'adorerais être contacté par quelqu'un qui travaille dans la même branche que moi. Je suis mannequin. À part ça, ce serait mentir de dire que j'attends beaucoup de cette appli. Tout ce que je demande, c'est de passer un bon moment et discuter. Ok. Marie. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis chargée de clientèle dans une société d'informatique. Il faut travailler dur et s'amuser beaucoup, comme on dit. J'essaie de profiter de la vie et d'être épanouie au travail et en dehors. Dans cette optique, je recherche un compagnon expérimenté, cultivé, qui a la rage de vivre. J'aime me rendre dans des cafés dès que j'en ai l'occasion. Je ne supporte pas la prise de risque inconsidérée. Pas de joueur, désolé. Ok, bon, on va faire Naomi parce qu'on a 100% de compatibilité. Compatibilité. Let's go. Elle a peur des trucs... de jeux d'argent. Est-ce que c'est une vraie personne cette fois? Bonjour, je m'appelle Naomi. Comment tu vas aujourd'hui? Notre taux de compatibilité est assez élevé. Je suis ravi de te parler. Oh, mais je suis étudiante. Mais ça ne m'empêche pas d'être nerveuse quand je parle à un garçon. Aïe, elle est étudiante. Donc je me suis dit que j'allais utiliser cette application pour essayer de me trouver un rencard. Elle parle déjà de rencard. Super. Cuisinons là.
Moi c'est Kasuga, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Kasuga et j'espère aussi me trouver un rancard. Toi aussi Kasuga? Eh bien ce serait trop que ça matche entre nous hein. C'est clair, croisons les doigts. Ouais, j'ai droit à une photo. Kasuga, je crois que je peux te faire confiance. Ça te dirait que je sois plus audacieuse? Ok. Ok. C'est ok. Wow, merci beaucoup. Profession. Si ça te dérange pas, je peux commencer par te poser une question. Tu fais quoi comme métier? Je suis mannequin. Je me concentre à la fonction publique. Je me considère comme un futur PDG. Mannequin, tu m'as peut-être vu dans des magazines. Super! Ça doit être si gratifiant de rendre le monde meilleur jour après jour. Je suis toujours étudiante, mais je pense que j'aimerais faire de toi mon senpai. Que j'aimerais apprendre auprès de toi, senpai. Ok. Qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre? J'avais dit quoi déjà? Ah oui, lire et faire du sport. Jouer à des joueurs d'argent, non à la peur. Je suis un oiseau de nuit, non à la peur. Un bon livre émistouflé dans une couverture. Ah, j'adore lire. Un livre peut ouvrir un millier de nouveaux mondes. Y a rien de mieux. J'ai vu que tu l'avais indiqué sur ton profil, en fait. Ça a retenu mon attention. On pourrait peut-être parler de nos livres préférés à l'avenir. J'adorerais qu'on s'échange nos recommandations. Bah, bien sûr, ça promet d'être intéressant. Ah, j'ai pas eu la deuxième photo. Donc, comme je disais, j'espère me trouver un rancard ici. Mais sur ces applications, j'ai l'impression que presque tout le monde ne recherche que des coups d'un soir, tu vois. C'est aussi ton cas, Kasuga? Parce que je recherche une relation sérieuse. Plus sérieux que moi, tu meurs. Je comprends. Je veux que tu saches que tu peux me faire confiance. Crois-moi, j'en ai marre de ce petit jeu. Je veux une vraie relation, Naomi. J'en ai marre d'être sur cette appli, ça veut dire, ouais. Tu es sur la même longueur d'onde que moi? Je suis super contente! T'es un type bien, Kasuga! La sincérité est la qualité à laquelle j'accorde le plus d'importance. J'ai le sentiment qu'on peut être honnête l'un envers l'autre. Une deuxième photo, aïe aïe aïe. Je sais maintenant qu'on. Je ne montrerai pas ça à n'importe qui. Alors, si tu veux une relation sérieuse, je pense que c'est le genre de photo qu'il ne faut pas envoyer, justement. Parce que. Enfin. Tu peux, hein! Mais je pense pas que si jamais tu cherches à bâtir une vraie relation sérieuse qui va durer pendant des années, je pense pas que montrer tes seins ce soit. Enfin, que genre. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Genre. Ce genre de photo, c'est bien si tu cherches un coup d'un soir, quoi. C'est pareil pour les mecs qui se mettent torse nu, etc. Mais. Ouais. Merci, 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 merci! Putain, quel enfer! Le rat de bibliothèque. Aïe, 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 aïe. J'adore lire. J'aime toutes sortes de littérature et j'aimerais trouver quelqu'un qui soit comme moi. Tu aimes quel genre de livre? Après, évidemment, je juge pas hein, si des gens font comme ça pour trouver une relation sérieuse. J'en connais qui ont fait comme ça et qui sont toujours ensemble, donc tant mieux pour eux. Mais c'est juste que si on généralise, voilà, un mec qui reçoit ça, je pense qu'il est en mode « Oh putain, waouh, 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 waouh. » Bref. Tu aimes quel genre de livre? Roman, article universitaire, tant qu'il y a des mots, je dévore tout. Dernièrement, une histoire captivante qui me tient en haleine, elle s'appelle Naomi. Oh. J'aime les œuvres littéraires grivoises. Oh, j'ai envie de faire le dragueur. On va faire le dragueur. Elle s'appelle Naomi, et c'est toi. Oh, j'ai compris, tu lis en moi? C'est la première fois que j'entends ça, tu as un sens du charme assez particulier, Kasuga, lol.
Ok, c'est pas la meilleure. 1000 mots. Oh merde. Ah, j'ai pas eu le cœur. Je commence à avoir des sentiments pour toi. Désolé de te poser des questions, mais est-ce que c'est réciproque? Oh putain. Non! Merde. Ah, j'ai foiré. Donc tu t'intéresses à moi aussi? Youpi! Est-ce que j'ai le cœur? Oui, c'est bon, on a le cœur. Faire le premier pas. On s'est bien amusé, merci pour aujourd'hui. Oh, je t'en prie. Ah oui, il faut la bourriner de messages. Mon cœur bat la chamade. Je n'arrête pas de penser à toi. C'est sûrement le destin. Il faut qu'on se rencontre. Kasuga. Je vais ouvrir mon cœur et lui demander de qu'on se rencontre. Viens en date avec moi. Ok. Alors, est-ce que c'est une vraie personne cette fois? Oh oui. Oh. Oh non. Oh non. Oh non. 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 Oh non. C'est exactement ce que je vous disais au début du let's play. Que parfois ils font des trucs très cringe et que j'ai pas envie de voir ça. Et que dernièrement, depuis Yakuza Gaiden, ils mettent pas des personnages de jeux vidéo, ils mettent de vrais personnages, de vraies femmes, à poil, enfin à poil en petite tenue, et qui font des trucs bizarres avec des angles de caméra bizarres. Oh non, préparez-vous pour le cringe. Non. Ok, si c'est... Oh, j'allais dire, si c'est que ça, ça va. Oh non. Ouais. Non, il fait pas chaud. Au secours. Pourquoi ils font... Je déteste quand ils font ça. Je rigole, mais c'est plutôt d'énervement qu'autre chose. Putain, mais ils ont fait combien de scènes comme ça? Arrête! Dégage! En plus, c'est une étudiante! Ah! Elle est censée être étudiante, en tout cas, évidemment, elle, je pense qu'elle a une trentaine d'années, je sais pas. Mais. Ah! Pourquoi c'est l'étudiante qui est vraie? Alors qu'Ichiban, il a 40 balais! Ce n'est pas canon, ce qui se. Oh, j'ai vu qu'il était à poil, j'ai eu trop peur. J'ai eu très peur. Oh, ce qui se passe ici n'est pas canon, ça n'existe pas. D'accord? C'était un vieil homme. Voilà, c'était un vieil homme dans le date. D'accord? Ce n'était pas... D'accord? Ah, je pense que j'ai compris. Je crois que je viens de comprendre. J'étais en train de me dire, c'est quand même con que les développeurs aient mis l'étudiante comme une vraie femme avec un moment privilégié avec Kasuga. Alors que Kasuga, il a 40 balais. Je me dis, c'est quand même trop bizarre. Mais je pense qu'en fait, il y a deux choses. Déjà, je suis membre platine maintenant, donc peut-être que maintenant je vais avoir que des vraies personnes. Pourquoi pas, enfin, ok, c'est chiant. Donc je vais peut-être repasser en membre normal. Et deuxième chose, on avait le taux de compatibilité à 100%, donc peut-être que ça joue. Peut-être que si on a 100%, on voit une vraie cinématique. Donc on va tout faire pour ne plus avoir 100%. Ok. Voilà. Hein? Est-ce qu'on peut discuter avec elle? Et pourtant j'ai mangé des ramen ce matin. Mais maintenant que tu en as parlé de restaurant chinois, je commence à avoir de nouveau un petit creux. Crevettes au piment, riz frit, canard laqué. Je pourrais tout dévorer.
Ah, elle veut du canard laqué comme notre papa? Je crois qu'un assortiment de 10 sumes me plairait beaucoup à Machiko. J'ai ce qu'il faut, bah oui, je vais lui donner. Tiens, Machiko, j'espère que ça te plaira. Un assortiment de 10 sumes, vraiment? Eh ben merci, je vais l'ouvrir tout de suite. Je suis content que mon cadeau lui plaise. J'ai l'impression que mon amitié avec Machiko s'est renforcée. Attends, mais. Ok. Je crois qu'on peut la pécho. On va y... On fera le jeu à 100%, hein, mais... Bref, on fait cette petite discussion et on va s'arrêter là. Je suis d'accord. S'efforce à être à la pointe de la technologie, de la gestion des risques. Ok. Eh ben c'était cool. Il pleut, on va se mettre à l'abri. Je joue trop RP, c'est pas possible. Voilà, on est à l'abri là. Même là-bas, ce sera mieux. Je sais pas pourquoi je la joue RP alors que ça a aucune influence la pluie, hein, c'est juste. Une épée de héros. Putain, on en a beaucoup des épées de héros par contre. Il faut que j'aille voir aussi le bonhomme. Ben voilà, la pluie s'est arrêtée au moment où je me cache. On va faire ça maintenant, vous savez quoi? C'est où qu'on donne? C'est ici. On va aller le voir rapidement. Il faut que j'arrête avant minuit. Là, il est 23h48. J'ai 12 minutes pour arrêter la vidéo. Ah, le meilleur endroit de Tokyo. Une discussion. Ça? Kamurop.平和で優しい町作りのPRのために生まれたキャラらしい。平和で優しい？カムロ町で？できるの？そこで詰まるなよ、足立さん。いや、千歳にコンコンと詰められたらなんか自信が。大丈夫だって。どん底からでもやり直すことはできるんだよ、カムロ町だって。 Kamurocho, c'est là où s'est passé tous les Yakuza et c'est le quartier le plus dangereux de tout. Voilà. Hein. Alors, on peut acheter des trucs. Non, je veux pas le mettre. C'est quoi? Un charme qui serait capable d'assurer la sécurité de son propriétaire. Ah ouais, flemme. Amulette du dieu du feu, 20 points, j'en ai 34. Ok. Oh mais c'est chiant. On va faire cette discussion et on s'arrête, promis j'aurai craché. Oh bonjour. Je viens d'apprendre les règles du shogi, ce n'est pas aussi compliqué que je le pensais. Jusqu'à aujourd'hui je croyais qu'il fallait faire une tour en empilant des pièces de jeu. Ok. Adachi, le roi du shogi. ガキの頃は近所じゃ一番うまかったんだぜ。へえ。そんじゃ今度手合わせ願うとするかな。いい自信じゃねえか。ん?指さばき?おお。音を立てず人思いに駒を引くのがコツよ。将棋崩しの。これ将棋崩しの話だったのかよ。よっしゃ! Drôle. Quand on sera niveau 10 d'amitié avec Adachi, on ira, on fera les parce que là j'ai Tomizawa et Chitose qui attendent au bar pour avoir une discussion là. Mais il y a Adachi aussi dans un niveau qui pourra avoir une discussion. L'été unique d'Adachi. その
はあ、なるほどな。暑さで油を溶かしてたのか。まあぶっちゃけ俺は猫舌なんだがな。この話を知ってからは暑さに耐えて根性で一気飲みしてるぜ。それ逆に舌やけどして味わからなくならねえか。確かに。仲良し。OK。OK。Oh、y a quelqu'un qui veut me parler là。Dandoku. Oh, c'est Ryan. Nathan. Konnichiwa, monsieur Kasuga. Je suis content de vous revoir. Je travaille sur un nouveau projet. C'est le mec qui faisait des émissions de samouraï. Il ne me reste plus qu'à trouver le bon emplacement pour le tourner. Ah bah si vous voulez, vous pouvez passer sur l'île où se trouve mon complexe. Ça vous inspirera peut-être. Vous avez votre propre complexe hôtelier. Incroyable, Subarashi. Vous êtes sûr que je peux venir? Bah ouais, quand vous voulez, j'espère juste que ce sera à la hauteur. Ok, cool. Ah, le patron a décidé, a appris ce qui s'était passé, a décidé de le virer. Oui, c'est le mec à qui on a demandé pour le casino, là. Pour le casino, c'est le resto ninja, là. C'était le seul employé avec des connaissances louches. Je doute que vous ayez de nouveau des ennuis ici. Et n'ayez crainte, nous vous assurons que la qualité de la nourriture n'a pas changé. Alors revenez manger des sushis chez nous. Ah, il s'est fait virer du coup. Putain. Paix brûlante. Bon, bah, on va faire la discussion qui est là. Et on arrête. Ça fait 4 fois que je dis qu'on arrête la vidéo là. ハワイでうまい料理いろいろ食ってきたけど、こういうとこでうどん食べるとなんか安心するね。なんつうか家に帰ってきた安心感みたいな。まあ言いたいことはわかるけど、そこにある寿司じゃダメなのか。日本の代表料理だろ。それカリフォルニアロールだろ。ダメとは言わねえけど、カリフォルニアロール食って自分の家に帰ってきた感覚にはならねえな。だな。どっちかっていうと転校生のうちに遊びに行った感覚に近い。なんじゃそりゃ。よくわからん例えだな。トミーも外国行った先で馴染んだ料理食べたらわかるかもよ、そういう感覚。まあ海外とかで食べ慣れた味にあったら確かにちょっと安心するのかもな。おうよ。今度トミーが日本に来ることがあったらめっちゃうまいきつねうどん食える店に連れてってやるぜ。富澤からしたらそこはハワイ料理なんじゃねえのか。 OK、 bon, bon, on est niveau 10 au moins avec Adachi. Merci pour le repas. Thank you very much. OK, ben on va sauvegarder ici et on s'arrête là. Du coup, portez-vous bien, à la prochaine. Je pense qu'on continuera les quêtes secondaires. Du coup, et voilà, à la prochaine.